Ça va? Ok, bonjour à tous, encore une fois. Et là, on a un coup qui chapitre nous bouguetter. Voilà, nos péricots, tout ça. Ces histoires-là, ça coûte pour paraître là. Ok, les nous guettons. Par rapport à vos politiques système, pas dire moi ça coûte pour une facilité, mais on a mis dedans quoi. Voilà. Et. Là, show understanding of how OS can maximize resources. Nous avons une interface. Semaine dernière, nous avons une interrupt. Et nous commençons avec le processor management. Et le processor management nous partir ici complété. Interrupt nous avons complété. Processor management nous partir ici complété. Et nous avons un memory management si pour faire et ce papier d'examen aujourd'hui. Je veux dire, si la base OS divisée en trois gros parties. Interrupts, il y a beaucoup de questions. Processor management, mais la CPU, comment nous situons là? Tout le monde a fait deal avec CPU là. Et mémoire, memory management, comment nous explique, comment nous travaillons en mémoire. Ça, c'est la troisième partie. Rappelle bien, OS, trois gros parties qui sont divisées. Interrupts, il y a une interface ici, une interface un petit bout là-haut, qui ne va pas trop causer. Interrupts, processeur, comment contrôle processeur, et comment contrôle mémoire. Bon, maintenant, si ça même peut répéter quelque chose, je parle trop vite, je dis à moi, mais vous pensez, moi, vous commencez par un petit peu révision le au interrupts, et ils élèvent pour répondre moi, pour me guetter, qui sont en train. Et ils élèvent, ils disent à moi, pas causer, blablabla, aller, et ils élèvent pas me comprendre rien. Mais ils veulent dire, moi, poser des questions, le interrupt, pour guetter, semaine dernière, sur les sons, est-ce qu'ils élèvent, comprendre ou bien pas ne comprendre. Après, là, moi, vous pourrez rendre dans le processus management. Et moi, pour rentrer dans Memory Management, j'espère que je terminer si je tout coopérer. Mais c'est moi, il y a assez long, et je vous réponds moi. Et là, nous avons 12 élèves en ligne, et je vous pose des questions, je vous guette un des bons élèves qui là. Vous trouvez dans Nilesh, dans Nick, dans Gobardon, Boirou, Djibodan, etc. Vous êtes là. Il y a TK aussi, dans Vélen, etc. Dans Père Malou, nous guettez un coup. Hein? Allez, allez. D'accord. Allez, maintenant, nous commençons. Voilà. Un des élèves pour répondre moi, chacun c'est tout. Question facile. Define what is an operating system. Vous pensez ça, tous les élèves connaissent, mais pas les poser question. Un operating system is a set of software qui run at the background of the computer et qui contrôle hardware directement et qui crée un working environment for the user, une interface et accès hardware directement. Ça, cela ne va pas vous guetter, nous voir vite. Maintenant, ouais, une autre question. One of the main tasks of operating system is resource management. Describe how operating system can maximize resources. Bon, comment les maximize resources? Comment les... Bon, ça ne va pas vous trop guetter là. Sa question n'a pas de suffisamment là. Memory management, disk management, pas de suffisamment là. Une autre question, describe two main components of a, PC, of a desktop PC. Two main components, c'est le contrôle hardware directement et le hide the complexity. Encore une bonne question qui nous sortit. Describe two components of a personal computer. C'est file management, memory management, processor management, I/O, input-output control, interrupt handling, user interface, security handling, tout cela. Font partie des operating systems, soit features. Maintenant, ça nous venons un peu plus de questions que nous utilisons, ce qui est derrière. Hein? Ouais. Là, je vous pose des questions, vous guettez, si vous allez encore suivre. Allez, right. What is an interrupt? Je dis la dernière fois, an interrupt is a signal, ok, sent to the processor, that interrupts the current process. Okay, when interrupt is normally generated by the malfunctioning of the computer hardware or software, it seeks the attention of the processor. It alters the sequence of execution. Et là, nous expliquer qu'il y a un interrupt. Normalement, le computer qui fait, il fait fetch du code execute. Normalement, le computer fait fetch du code execute. Et si il y a un interrupt, il peut handle l'interrupt. Si il y a un interrupt, le computer fait fetch du code execute. Mais tu guettais derrière fois, normalement, le computer fait interrupt, fait du code execute. Et normalement,
an interrupt, comme Vitalik a fait, c'est code execute. Event handling, nous ne pouvons pas trop causer là. Mais si il y a deux qualités interrupt, il y a deux qualités méthodes qui CPU attire l'attention CPU. Il y a polling avec interrupt. Polling, il fait régulièrement, à periodic time. Ok, par exemple, un professeur dans la classe, il donne chaque enfant un time slice et tous les enfants, chacun se tourne pour communiquer, veut dire polling. Mais interrupt méthode, il est contraire des polling. Quand chaque enfant, s'il a posé une question, il lève la main, il pose question. Veut dire polling, il y a un désavantage. Il perd de bons élèves, les temps pour n'en rien, si les élèves n'ont rien pour communiquer. Bon, Djibouden a quelque chose pour dire, pourquoi à parler pour dire nous. Pas trop perdu les temps, oh, ça va une question là, capable de nous parler direct devant. Nous quittons une goutte. La question non. Bon, nous passons bien vite là-dedans. Mais il y en a deux méthodes d'input. Soit nous fait polling, soit nous fait interrupt. Bon, c'est la question, je peux raise hand. Vous êtes capable de poser cette question? Je suppose qu'on est qui veut dire polling, avec qui veut dire interrupt, hein, vous posez question entièrement. Maintenant, là, il peut expliquer une affaire qui appelle polling. Polling veut dire chacun gagne un time slice, il roule comme ça. Keyboard gagne sur les temps, printer gagne sur les temps, hard disk gagne sur les temps, RAM gagne sur les temps pour communiquer avec CPU. Ré, keyboard, printer, hard disk, RAM. Ré, keyboard, printer, hard disk, RAM. Il roule, il tourne, chacun gagne sur tout, il pull. Mot polling, il vient de pooling. Chacun gagne sur les temps, il pull CPU, il gagne les temps de CPU, ça veut dire polling method. Mais c'est moi parfois si un device peut pour communiquer pour nous un peu de ni ça l'étant. Il y a polling un désavantage. Il y a périodique nous peut chacun gain l'état pour communiquer. Maintenant les contraires de polling c'est interrupt. Interrupt est comment les différents. Pas tout pour communiquer avec CPU. Si il y a une question, il peut avoir code CPU. Correct. S'il peut une question, il va perdre l'état pour cause avec CPU. Ça c'est interrupt. Mais il y a des enfants supposés connaître qui veut dire polling method et les supposés connaître qui veut dire interrupt method. Ce nœud est déjà là, on essaie d'expliquer. Il y a polling, il pull each one in turn, rond, et chacun se tourne, aller, chacun se tourne, aller comme ça. Interrupt, pas tout qui peut communiquer, si qui est là pour communiquer, il peut communiquer. Maintenant, là, il peut expliquer une affaire bien intéressante, sa question l'examen, ça, je suppose qu'on est. Lire un computer peut travailler. Computer qui dit fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute, si il n'y a aucun interrupt. Mais s'il y a un interrupt, il y a dans OS, il y a une section dans OS, appelle ça Interrupt Service Routine, il invoque, il appelle. Li. Mais seulement, là, il appelle, li. Tout le monde va dans le programme counter, il save dans un stack, il push ça dans un stack. Là, l'interrupt, là, ce signal, il y a dans Service Routine. Interrupt Service Routine. Interrupt Service Routine, il y a l'identifié interrupt là. Il y a le get-li d'une table. Cette table-là appelle ça Interrupt Vector Table. L'identifier interrupt-là et pour chaque interrupt, chaque signal, il y a un code et il connaît quelle action pour faire. Et une fois qu'il finit, régler sa problème interrupt-là, il est là, programme counter. Il prend tout le monde valeur qui est dans le stack-là, il pop, là tu push, à celle pour pop, il re-retourne de sa place et le computer-là re-retourne pour ce qu'il peut faire. Comme tu là, re-retourne de sa place. Voilà, là un dessin des Interrupt Vector Table. Interrupt Vector Table, c'est un database, un table, que chaque interrupt ce signal est venu, il connaît qui action pour faire. Je suppose comme ça. Maintenant, là, nous peut expliquer une affaire. Dans ton CPU, tu as ton programme counter, mais dans ton programme counter, tu as une valeur 0, 1, 1, 0. Et un interrupt au cas. Là, un interrupt venu, CPU, il vise à save sa valeur de programme counter dans le stack. Valeur 0, 1, 0, il pousse dans le stack. Voilà. Valeur 0, 1, 0, il pousse dans le stack, il save. Li. Et il y a le handle, ça interrupt là. Mais pour y a le handle, ça interrupt là. Sa valeur qui est dans l'interrupt là, il parle dans ce programme counter. Valeur 1, 0, 1, 0, il parle dans le programme counter pour y a le service, ça interrupt là. Veut dire à qui on en prend. L'interrupt au cas, value de tout man register, special purpose register, il save dans le stack. Et sa valeur qui interrupt là, il parle dans le programme counter pour le service, ça interrupt là. Mais une fois que ça interrupt là, fini service, valeur qui tient dans ton stack, il pop, il retourne dans ton programme counter pour CPU continuer à faire ce qu'il peut faire avant. Il retourne, travail que tu as arrêté. Maintenant, question qu'on regarde dans l'examen, what are the different classes of interrupt? Combien de différentes classes d'interrupt il y a? Il y a hardware failure interrupt, il y a programme interrupt, il y a timer interrupt, il y a IO interrupt.
Bon, sa higher priority la pas tibza la, li tibza classifié. Li tibza depuis highest à lowest. Highest priority c'est hardware interrupt, li tibza program interrupt, tibza timer interrupt, li tibza IO interrupt. So highest priority c'est hardware interrupt, lowest priority c'est IO interrupt. Ok, ça ne tibza bien corrigé ça. Li tibza ha depuis là, Ctrl X, et tibza mettre ça comme ça, une minute. Ça vous a tiré, ça vous a tiré, et ça vous a tiré. Et là, tu vous as mis, pas mettre la highest interrupt. Mais dire highest interrupt, c'est hardware interrupt. Ça. Correct. Voilà, tu vous as comme ça. Et lowest interrupt, c'est IO interrupt. Mais dire, il commençait depuis highest interrupt. Voilà, c'était tiré, tu me dis maintenant. Voilà. Highest interrupt, tout lowest interrupt, on classifie mon interrupt là. Bon. C'est une dernière cause où la higher interrupt, hardware interrupt, program interrupt, time interrupt et IO interrupt. Bon, types of interrupt. Hardware interrupt, c'est un hardware qui a marché, il y a un problème, un hardware cassé, il y a un problème. Software interrupt, c'est un problème de software. L'exemple, un arithmetic overflow, etc. IO interrupt, c'est un problème avec un input-output device. Voilà, là, on réclassifie mon interrupt. Nous avons un programme interrupt sur l'exemple. Nous avons un timer interrupt, nous avons un IO interrupt, nous avons un hardware interrupt. C'est moi, hardware interrupt, il est capable de parler IO interrupt avec hardware interrupt, il est capable de venir dans la même catégorie. Mon timer interrupt, il n'y a pas trop de cause. Le timer interrupt est généré par internal clock de CPU, à regular time interval. Et ça même qu'il refresh le display, et il fait time slicing, il fait multi-programming, multitasking, tout cela, il fait grâce au timer interrupt. Il régulate à régulier time interval. Maintenant, nous continuons. Different sources of interrupts, nous avons déjà fini avec ça. Un interrupt qui est généré par différentes sources, il y a un problème de programme, il y a un problème de hardware, soit à régulier time, un processeur peut générer, internal clock peut générer un interrupt. Yana? Maintenant, why do we need interrupt? Qui fait un objet interrupt? Bon, interrupt, il y a un peu dedans pour contrôler le système. S'il n'y a pas un device, pas pour gagner attention CPU. Un seul device pour prendre CPU. Déjà, interrupt est bien important pour capable arrêter CPU, pour seek attention of CPU. Pareil, comment un interrupt fait que je gagne du mal, une place peut faire mal, il y a un peu dedans pour connaître quoi peut faire mal. Parce qu'il fait du mal. Pour lui aider, du coup, qui a fait pas bon pour le guetter qui pas bon. Maintenant, why current program is assigned priority? Qui fait un programme, nous vient donner priorité. Si tout interrupt, peine à priorité, ça peut vous la guerre pour gagner CPU time. Je tout vous dire CPU, get moi avant. Mais nous besoin catégoriser un interrupt. Il n'a pas un interrupt, nous besoin mettre higher priority. Il n'a pas un interrupt, nous besoin mettre lower priority. Pour il n'a gagné priorité, le saut camarade. Maintenant, qui est arrivé si un interrupt au corps? Nous discutons ça tout à l'heure. Nous disons, si un interrupt au corps, normalement, une sequence of steps qui est arrivé. Nous devons identifier, si un interrupt au cas, le current cycle, nous devons complètement. Nous devons identifier la source of interrupt. Nous devons identifier priority of interrupt. S'il y a higher priority, nous save, nous allons parler de nos current registers dans le stack. Et puis, nous envoyons cet interrupt là, de interrupt service routine. Interrupt service routine, lui identifie interrupt là. Et d'après ce vecteur interrupt, lui prend appropriate action. Et là, il finit complet sur interrupt, il prend tout le valeur qu'il save dans le stack de Tierly et il continue avec le travail qu'il peut faire. Voilà, explain using diagrams. Explain using diagrams the use of vector interrupt to determine the location of memory appropriate. Voilà, ce diagramme là. Allez, maintenant si je vais vous causer d'aller. Bon, hardware, ça diagramme là intéressant. Quand il montre toi, ça CPU, un keyboard est capable d'avoir un interrupt. Soit dans le CPU, il y a un timer, il va avoir un interrupt. Mais il y a un interrupt controller. C'est-à-dire, ça va dire ça, il va envoyer un signal, le processeur, tu connais, check-moi, moi, il y a un problème. Le processeur qui diffère, il y a un signal là, il va envoyer dans
Mais ça a dit de rentrer là, non? Ok. Ok, veut dire, les signes là, vini, ils rentrent dans 21 interrupts, 21 interrupts, décider qui vous faire un interrupt là, qui action vous prend. Et là, il prend son action. Voilà, maintenant, question l'examen. Correct? Mais vite, question l'examen. Je vais l'aller vite parce que sa session là, nous est déjà fini faire. Je peux faire révision. State the purpose of interrupt in the computer system. Qui fait nous besoin d'interrupt? Interrupt, il y a un signal. Ok, les directeurs processeurs, ils visent l'attention. Les visiteurs processeurs, check-moi, moi j'ai un problème, ou besoin d'attention. So, what is an interrupt? It is a signal generated by the malfunctioning of the computer hardware or software. It seeks the attention of the processor, alters the sequence of execution. Maintenant, l'autre question, describe what is meant by timer interrupt. Qui veut dire timer interrupt? Timer interrupt is generated by the internal clock of the computer. Et il est généré à regular time interval. Il paraît que je dis dans l'écho ou l'équerre. Ou l'équerre fait partie. Mais il est battu régulièrement, à regular time interval. Lui même qui fait la distance qu'il est dans l'écho. Et pareil, pour faire du code execute cycle, tout ça l'embrasser dans le computer, il a besoin d'un internal clock. Et sa internal clock là, il génère, sa internal clock là, il génère à regular time interval. Et il allow, rappelle bien, un timer interrupt, il génère à regular time interval, il est généré par l'internal clock. Et lui-même qui fait l'écran display, il refresh tout l'écran et il est capable de faire multi-programming, multitasking parce qu'il fait time slice. Time slice, bien important, comprend qu'il fait grâce au timer interrupt qui génère à regular time interval. Il fait tout l'écran propre, il refresh tout display. Ce n'est pas un display type statique, type une seule affaire de l'écran. Mais il y a pour se faire un changement de l'écran, pour que l'écran refresh. Il refresh le display et pour faire time slice, pour faire multi-programming, multitasking, c'est grâce à ce timer interrupt. Maintenant, hardware interrupt est généré par un failure in hardware. C'est un problème dans le hardware pour prevent further damage. Le système là, il close down, il stop further damage of the hardware. Et il est capable aussi interrupt causé par un printer, puis un papier, puis une langue. Il est capable d'un hardware interrupt. Bon, question de déjà dit, what is meant by an interrupt? Nous disons, an interrupt is a signal generated by the malfunctioning of the computer hardware software, seeks the attention of processor, alters the sequence of execution. Et différents types d'interrupt nous disons, timer interrupt nous disons, voilà, nous disons timer interrupt qui generated à regular time interval, et par internal clock nous disons, et aussi nous disons, les refresh nous display avec l'effet time slice, l'effet multi-programming, multi-tasking. Hardware interrupt, nous en avons plusieurs. Power failure, IO interrupt, printer, pina papier, pina langue, soit nous avons IO interrupt, hardware interrupt, même catégorie. Software interrupt, un programme peut mal fonctionner, pour une division by zero, un overflow, il y a un software interrupt. Maintenant, explain the process carried out by an operating system. Qui est arrivé cet interrupt au cœur, mon Dieu, c'était là. The preset cycle is completed. The priority of your interrupt is identified. If it is of higher priority, là nous prend tout bonne valeur qui est dans nos bonnes registers, nous push dans le stack, nous save là-bas. Et ça interrupte le job là, dans le gété, dans le handle, d'après le interrupt service routine, d'après le vecteur interrupt. Mais si c'est of lower priority, là ça interrupte le job là, il y a le ready queue, il wait là-bas pour un peu de temps, jusqu'à ce qu'il se trouve. Describe two different types of interrupt non causé. Il y a plusieurs interrupts, software interrupt, timer interrupt, hardware interrupt, etc. Explain how interrupt is dealt with, non fini causé, comment job is completed, the correct fetch du code cycle completed, non fini siècle, tout ça l'affaire là. Explain what is meant by interrupt, fini causé, interrupt, non causé. Qui est arrivé, c'est un interrupt au cas, non fini diamant sequence of event. Describe sequence of event, non fini causé, tous enfants infinis comprennent ça. Sequence of event, et surtout, tu as mentionné interrupt service routine, non causé. Voilà, c'est une zone inutile ici. Le processeur peut faire un travail, et il gagne un interrupt qui est arrivé. The current cycle is completed. The priority of the interrupt is compared with the current job. S'il y a higher priority qu'il fait, s'il y a lower priority qu'il fait. Normalement, si on a higher priority, nous savons valeur de tout le monde registré dans un stack et interrupt là, nous identifions un vecteur interrupt et nous faisons une appropriate action.
là, nous finis faire toutes nos actions, nous finis handle les drops, nous pop tout bon valeur qui est dans nos stacks et nous replay ici dans nos registers. Si il y a un lower priority, là, ça interrupte le job là, il y a le runnable queue, il y a le correct position là-bas, il y a tant de tout pour exécuter. On s'en même causé, voilà, un autre papier l'examen, janvier 2017, papier 31, question 6. Voilà, ça a reçu une étiquette semaine dernière, j'espère que tous les élèves ont ça. Mon computer fait lag un petit peu. Voilà, ça a reçu une étiquette, et la question qui est arrivée, numéro 1 avec numéro 6. Ok, une étiquette, what is the purpose of step 1? Interrupt needs to be disabled, qui fait de bizarre disabled. Ok, dealt with interrupt itself, et qui fait un bizarre purpose of interrupt. Of step 6, ça a reçu une étiquette. Ok, on finit de sa question là. Maintenant, on y arrive. Ouais, là, on y arrive. Là, il y a un aspect moins de 2000 et on y arrive de classe. Allez, nous faisons une révision de l'interrupt. Maintenant, nous payons processeur, process management. Bon, premier mot, qui veut dire process? Process, c'est un job qui peut run dans CPU. Process management. Comment nous pouvons manager ce process là? C'est-à-dire, CPU dit exécute des jobs. Et ce job là, c'est le process. Et qui process pour venir dans CPU? Qui process pour aller dans CPU? Pour tirer des dans CPU? Ça mène, on appelle ça process management. Soit on appelle ça processor management. Les enfants là, bien connaissent qui veut dire multitasking. Ok, qui veut dire multitasking? Qui veut dire un process? Un process, il y en a trois states: running, ready et block state. Et il besoin de comprendre un scheduling algorithm. Maintenant, si j'ai dans notre notes, j'ai besoin de noter, soit faire un screenshot. Ok? Bon, multi-programming, je pense que tous les enfants comprennent. Je veux dire, permet two or more processors to run. Ok? Multitasking, soit multi-programming, il allow two or more processors to be held in the memory simultaneously. Mais comment est-il possible des processors peuvent run comme si apparemment, at the same time, dans CPU? Mais chaque process nous donne un time slice, nous donne un petit temps pour exécuter par CPU. Le time slice expire, là l'autre process vient. Time slice expires, l'autre process vient. Mais bien nous gagnons l'impression de nous faire run plusieurs programmes en même temps. Ça fait longtemps dans Windows, là ouvert Word ou travaille juste dans Word. Faut dire close Word, là où cas ouvert Media Player, jouer Media Player. C'est moi dans ou computer ou capable run Word. Ou car run Media Player en même temps. Parce qu'il est au pays All Control Delete, ou rentre dans Task Manager, ou get tout mon application pour qu'il run. Je peux run tout ça mon application là en même temps. Comment il fait ça? CPU run un seul programme à la fois. Mais comment il run tout ça mon programme là en même temps? Il a l'impression qu'il peut run en même temps. Mais programme, comment dire, Chrome, il vient de CPU, il est exécuté. Là, il est sorti. Et là, ça, l'autre programme, la vient de CPU, il exécute, il se outil. Et ça, chacun se tourne, un time slice, il roule, il roule, tellement il roule vite, il roule vite, il roule vite. Chacun se tourne pour rendre la CPU. Donc, il a l'impression que tout ça va être process là, peut en même temps dans la CPU. Mais ce pas peut en même temps. Chacun se tourne pour rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et il attend, chacun se tourne, peut run. Donc, il a l'impression que tout ça va être process là, peut en même temps dans la CPU. Voilà, bon process. Et combien de mémoire il peut prendre dans RAM? Il est capable d'un process de cacher lui s'il peut garder. Mais il y a ça qui permet multitasking et multiprogramming parce qu'il y a un time slice. Chacun a un petit temps de CPU pour exécuter. Là, il y a un surtout. Et comme ça, nous sommes capables de maximiser les ressources. Nous maximisons un CPU. Nous servons CPU pour maximum process per run. Maintenant, il y a un terme qui est intéressant pour comprendre, c'est joule. Bon, qui veut dire schedule? Schedule, what is a schedule? A schedule is part of the OS, il y a un programme de OS qui decide which next job to be executed. Lui-même décide qui le job process pour venir dans le CPU. De qui load pour exécuter. Qui travaille pour venir dans le CPU. Lui-même qui décide ça. So, schedule, comment schedule? Mot schedule veut dire plan, planifier. Un schedule, il peut décider which next job to be executed by the CPU. Maintenant, on a une affaire. Un process est capable en trois states. Bon, j'espère que tout connaît qui veut dire un process. Par exemple, comment est-ce que tu peux All Control Delete. Voilà, dans le Task Manager, je pense All Control Delete. Là, nous rentrons dans le Task Manager et nous trouvons tout un process qui peut run. Et un process, c'est un programme qui actuellement lit dans RAM et il peut exécuter.
Et si mon entos, ben déjà il n'est plus dans RAM, il peut delete mon cas entos. Si mon entos, il peut sortir de RAM. Et voilà, un process, c'est un programme qui peut exécuter. Un programme qui est en existence. Un programme, s'il est dans RAM, il est en existence. S'il n'est plus dans RAM, il n'est pas en existence. Mais un process, il est capable de trois states. Bon, running, qui veut dire running? Il veut dire actuellement, puis exécuté par CPU. Ok? Bon, running NG, pas peut trouver là, mon problème ici. Voilà. Running state, un process, il est dans running state quand? Quand actuellement, il est dans CPU, il nous dit running state. Correct? Il peut run. CPU qui a run un seul process à la fois. Sa process qui CPU peut prendre là, il est dans running state. Ok? Il peut exécuter par CPU là, maintenant. Maintenant, si un process n'est pas dans running state, CPU va faire un petit coupier, il sortit en dehors. Mais il est en dehors, dans quel state il est? Il est dans le ready state. Il peut attendre ce tour, il est dans l'arqué. Ready state veut dire tout un process qui est dans l'arqué, puis attendre ce tour pour rendre dans CPU. Et CPU est capable de rendre un seul process à la fois. Il veut dire comment ce time slice expiré. Time slice expiré, il a envoyé un coupier, il a le pas d'hier, il attend ce tour. L'autre vini. Et un time slice, nanoseconde, il a le pas d'hier. Il y a tout un process ici dans ready state. Il veut dire ready, veut dire il peut wait to run. Il est ready to run. Il peut wait to run. Puis quickly wait, then queue, then lucky. C'est même appelé ça ready queue. C'est même appelé ça runnable state. Runnable veut dire ready to run. Et ready to run, tout ce process là, il est dans une RAM. Il peut attendre ce tour pour run. Chacun ce tour, je vais faire lucky. Et N, le living premier de la quai, il rentre dans sa running state, là, il est exécuté par CPU. Time slice expiré, il a un coupier, il a le pas lire. L'autre fini, rentre dans CPU, il est exécuté. Al de la quai, attend de tout, pour devenir devant, te réexécuter. Mais quand un process, il y a le block state, quand il a besoin input-output device, fait que moi, j'ai besoin de printer des affaires, mais il a besoin de printer là. Là, il y a le block state, il a besoin input-output, printer, c'est un output device, il a besoin. Le block state, il commence à imprimer. Il a besoin de printer. Mais une fois qu'il finit d'imprimer, travail printing fini, il est réel dans ready state, il attend ce tour pour aller dans la CPU. Je veux dire, les enfants, ne guettez un coup. Un process, c'est un job qui est en existence, leader RAM. Mais le leader RAM ne peut dire processeur, il y a trois states. Running. Qui veut dire running? Le cas notre lit, le cas mettre dans notre cahier. Running state veut dire actuellement puis exécuté par CPU. Dans CPU, il y a un seul CPU, veut dire il y a un seul job qui est dans running state là. Mais comment peut-il aller dans running state? Il faut un time slice. Sa time slice a expiré, son nanoseconde. Il est à the back of the ready queue. Il est dans la queue pour attendre. Veut dire tous les autres process, il est dans ready state. Ready state, c'est un laqué, il est dans RAM. Tout ce qui peut wait pour run. Il est ready state, c'est tout le process qui are waiting for their turn for the CPU. Et ils ont donné l'arqué, ils ont pu attendre. Et block state, c'est quand un process peut attendre input-output device. Allez, nous reprenons. Running state, actuellement, puis exécuté par CPU. Ready state, puis attendre l'arqué de RAM de tout pour exécuter. Et comment un qui prévient dans l'arqué, il vient dans CPU, il exécute, il a coupé, il a le poli. L'autre vient exécuter dans CPU, il a le poli, il attend ce tour. Ça continue, aller jusqu'à ce que le process là expire, il sorti. Mais parfois, le process est un IO device. Si il y a un IO device, il y a un autre state, après ça, block state. Et il fait un modèle, il y a un printer, il y a pour imprimer, il y a un block state. Mais une fois ce printing fini, il n'est plus besoin de printer. Il réel attend ce tour de ready state. Et il gagne ce tour, il rentre dans CPU exécuté, time slice expiré, il y a un debat. Si il y a un IO device, il y a un block state. Une fois qu'il finit par block state, il y a le ready state. Bon, voilà. Je veux dire, il y a trois states qu'ils ont supposé connaître. Running, c'est actuellement ce qui peut process pour CPU. Ready, tout ce qui peut wait the two, dans RAM, il peut attendre the two pour rendre dans CPU. Ready state. Block state, il peut attendre un IO device, input output device. Bon, ça c'est un autre diagramme pour un autre livre. De trouver un process le nouveau. Il rentre dans ready state, il attend ce tour. Ready veut dire qu'il peut wait for running. Et les gars, ce tour, il rentre dans CPU. Et comment ce time slice expiré, il réel dans ready. Et quand ce tour vient, il rentre dans CPU. Time slice expiré, il attend, il rentre dans ready. Et il wait, ok, ce tour. Et parfois, il termine. Terminé veut dire processer, terminé, il saute. Mais un process terminé, il n'est plus dans CPU et il n'est plus dans bloc.
et il n'est plus dans running state. Il n'est plus dans running, n'est plus dans ready, n'est plus dans block, mais il est dans terminate state, il est terminé. Voilà mon state. Maintenant, nous guettons encore au détail. Là, nous avons un diagramme qui est intéressant. OK? Un new process vini. Bon, j'espère que tous les enfants connaissent ce que veut dire process. Correct? Tu as all control delete. Veut dire que tu trouves la liste des tout bons process qui existaient. Voilà, ça c'est tout bon process. Ça tout bon affaire qui est dans RAM. Tout bon application qui m'ont ouvert. Et si je tiens une application, je peux plus running, je finis, terminé. Correct? J'espère que tous les enfants comprennent. Bon, les mots ouverts, un nouveau programme, un new programme. Les mots ouverts, un nouveau programme. Les soucis, évidemment, hard disk. Il y a le dans qui côté? Ready state, il y a le dans RAM. Puis qui fait, il y a le dans ready state. Il peut attendre ce tour pour aller dans CPU. Bon, le time slice, il y a ce tour. Il y a ce tour pour rendre dans CPU. Il run, il exécute, CPU exécute lui. Mais, time slice expiré. C'est un timer interrupt. Allô, allô, allô. Allô. À nous de mettre un mot. Pourquoi il mute moi là, ils sont. Là, allô, allô. Allez, je tourne rejoin là. Je rejoin là. Allô, allô. Mm-hmm. Allez, right, nous continuons. Là, nous pouvons réexpliquer en plus grand détail. Je vais ouvrir un programme, mettons ouvert Word, un new programme. Mais je vais ouvrir Word, il est aussi dans Hard Disk. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le RAM. Et dans qui state il est? Ready. Ready veut dire qu'il peut wait, then lock it, c'est tout. Parce qu'il est dans mon CPU capable, Excel peut rouler, Internet Explorer peut rouler, Acrobat Router peut rouler. Mais ça gagne ce tout, il attend ce tout. Le time slice expire, il gagne ce tout. Laisse tout venir, il y a la CPU. Mais là, il y a la CPU, il est exécuté. Comment on appelle ça, state là? Running, il est exécuté. Mais un nanoseconde déroulé. So, l'état est expiré. Il y a un interrupt, time interrupt, cheerly. Time slice, il revient de ready. Depuis de ready, il attend ce tour, il vient de running. Ready, running, ready, running, time slice. Il est roulé, 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 tu as l'impression de rouler en même temps. Word peut rouler, il est connecté, déconnecté, connecté, déconnecté. Mais si je close Word, il vient de finish state, il est sorti. Mais si je dis Word, je peux imprimer, al da printer. Word peut sortir, il peut al da block state. Il peut attendre à your device, il peut imprimer. Mais là, il finit imprimer. Word pourrait sortir pour venir dans ready state. Il peut attendre ce tour pour exécuter par CPU. Il exécute, time interrupt sur l'idéo, exécute, time interrupt sur l'idéo. Pour te gagner l'impression, tu peux prendre plusieurs programmes à la fois. Word peut rouler, PowerPoint peut rouler, Excel peut rouler, MediaPlayer peut rouler, Internet peut rouler. Bon, j'espère que si explique ça bien. Si je n'ai pas compris, pose question. On va continuer. Oui. Allez, right. Là, nous continuons. Allez, right. Mais je ne connais que un process. Un process, c'est un programme qui est en existence. Mais un process qui est en existence quand il est dans RAM, soit il est dans CPU, soit il est dans block state. Mais si un process ne termine pas, il veut dire qu'il finit closely. Il est sorti de la RAM, il est sorti de la CPU, il est sorti de la block state, il ne termine pas. Le process là finit dead, il finit kill, il finit end process. Mais chaque process, comment est-ce que je vais montrer ça, ce détail code gardé. Allez, là, je vais montrer ça, il est capable, pour que tu comprennes, all control delete. Chaque process, enfant, ce détail, le nugget process là, là, ce détail gardé en place d'un table. Par exemple, là, regarde là, disons Chrome peut garder. Puis Chrome, un process, ça, un autre process. Mettons, je ne sais pas, un autre Explorer, un autre process peut rouler. Bon, Office, un autre process peut rouler. Mais chaque process, ne t'y pas ce détail. Finalement, là, il y a ce process ID, il y a une place de gagner, mais moi, je vais trouver, il y a mon oublié. Ça, c'est combien RAM peut rouler, user. Bon, pas grave. Chaque process se détaille garde dans un tab. Pareil comme toi, te détaille garde dans un file. Ok? Toi, te détaille c'est que tu es ton ID, ton surname, ton username, ton adresse, ton téléphone number. Chaque process se détaille garde dans un tab.
Et sa table là, on appelle ça Process Control Block, PCB. Process Control Block, il y a un database, il y a un table, qui garde tout en détail de chaque process. Bon, voilà. Ou describe, dans l'examen de carrière en question, describe et Process Control Block. Un Process Control Block, il y a une structure, il y a un database, qui nous garde chaque process sur détail. Qui va en détail nous garder pour un process sur ID, sur Current State, un process sur Current State, il y a Ready, soit Running, soit Block, et sur Privilege, et sur un register, sur un value, et sur priority, et amount of CPU time qu'il est besoin pour compléter, combien de temps il est besoin de processer pour compléter. Ça, normalement, c'est un détail là pour chaque process nous garde. On a une petite photo là pour montrer les autres. Process control. Hein, fini. Ah, connaît le temps de galoper. 4 heures. On va voir qui fait le temps de galoper. Si c'est de tout, même quand elle est là, fini. Allô, allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Ok. Allez, nous rejoignons là, parce que c'est tout bien arrivé là. Ok. Allez, nous continuons. Je veux dire, un process. Ouais, la plupart des élèves viennent rentrer là. Process control block. C'est comme un database, comme un Microsoft Access, et chaque process est dans ce bon détail. Quel process ID? Ce process ID là, 457. Et ce process status, il est waiting. Et programme, quand est-ce que je vais aller, je vais register, je vais aller, ressources, etc. CPU time, combien les besoins, etc. Veut dire, ça c'est un process control block pour chaque process. Chaque process, il peut être des détails. Voilà, nous continuons maintenant. Maintenant, une question que tu m'as envie de poser. Qui différence il y a un process avec un thread? Correct? Bon, un process, c'est un programme en entier. Un thread, c'est une subsection d'un process, d'un programme. Je veux dire, un thread, normalement, tu penses comme une partie d'un process. Voilà. Et process can be thought as a program in execution. Dans Word, Word, il y a un process qui peut exécuter. Mais en dans Word, nous avons plusieurs sections qui peuvent rouler. Et chaque section, chaque partie de la processeur, nous divise, nous couple, il vient un thread. Je veux dire, un thread là, c'est un unit de la processeur, il y a une partie de sa processeur. So, a thread is a unit of execution within a process. Quand je regarde sa question d'examen, what is a thread? So, a thread is a unit of execution within a process. Il y a une partie de processeur. So, a process can have anywhere just from one thread to many threads. Then process the kind and sell thread to kind of plusieurs threads. D'accord? And process the plus gros and thread the subunit de sa process. Là. Maintenant, nous continuons. Là, on donne l'exemple, nous donnons une application, comment dire, un process. Et en dans un process, tu peux avoir plusieurs threads qui peuvent rouler. C'est vrai que je donne une photo, le cas est un peu libre. Maintenant, là, l'utilisateur retourne avec une des questions qu'il ne peut pas faire. À l'italien, il y a une affaire qui m'a skip, là, on va prendre une suivi. On va dire si joule, qui veut dire si joule. Ok, si joule, il y a un decide which next job to be executed. Nous allons classifier si joule en deux catégories. Cette question-là, t'as là, on va te dire. Si joule, nous allons classifier en deux catégories. Soit, dans le process, nous allons classifier en deux catégories. Nous allons un processeur bound processor, nous allons un IO bound. Ok, nous avons décalé. Process bound avec IO bound processors. Bon, qui veut dire un processor bound process? Et qui veut dire un IO bound process? Un processor bound veut dire un process qui lui demande beaucoup de CPU time. Il bise beaucoup le temps de CPU. Il y en a beaucoup de travail pour faire le CPU. Et là, un process qui bise beaucoup de CPU time, il bise beaucoup de travail de CPU, veut dire les premières CPU, beaucoup de temps, il y en a beaucoup de calculations avec CPU, nous donne lui lower priority. Ok? Nous donne lower priority.
qui fait de l'overclock là, il dit parce qu'une fois qu'il vous rentre dans CPU, il vous consomme CPU maximum. Et les autres du monde pas pour gagner le temps. C'est pas le monde, c'est les autres process pas pour gagner le temps. D'accord? C'est un processor bound process, c'est un process qui a high processing power, il a beaucoup de temps de processeur, et normalement, il peut donner lower priority, il a beaucoup de calculations, c'est-à-dire, s'il rentre dans la CPU, il ne reste plus beaucoup de temps dans la CPU, les autres pourraient s'attendre trop beaucoup de temps. J'espère que je comprends. Mais IO bound process, il y a une autre qualité de process qui a un petit peu de temps dans la CPU. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps dans la CPU. Il a besoin plus beaucoup de input output device. Li. Mais il n'a pas besoin de CPU beaucoup de temps. Li. Mais lui, nous donne higher priority. Qui fait? Parce qu'il y a un petit temps CPU. On appelle lui, nous dit qui te besoin? Ah, tu as un papier. Allez, prends papier là, allez. Je veux dire, il n'y a pas besoin de gaz CPU beaucoup de temps. Nous donne higher priority pour lui venir, il prend ce petit papier qu'il a besoin, il y a aller. Il libère CPU. Pour lui, il est capable de viser un IO device. Laisse-le aller dans un IO device, il fait ce bon travail. Voilà. C'est-à-dire, le process nous a divisé en deux catégories. Processor bound avec IO bound. J'espère que je comprends. Et nous avons trois différents states des process qui peuvent retourner dans la CPU. J'espère que tous les enfants comprennent qui veut dire process, qui veut dire threads, et qui veut dire PCB block, et qui est dans un process control block, qui veut dire threads, sur la même chose. Maintenant, Scheduler est classé en trois catégories Scheduler. Nous avons un high level scheduler, un medium level scheduler et un low level scheduler. Bon, c'est-à-dire que nous avons trois qualités scheduler. Scheduler, il aime décider de qui l'autre va travailler pour exécuter. Si on a pour exécuter avant, ça va vous amener après. C'est moi, nous avons trois levels scheduler. High level scheduler, medium level scheduler, low level scheduler. Bon, dans l'examen, il vous demande de chaque scheduler ce job. High level scheduler qui se travaille. High level scheduler, les processors entering, les get tout un process qui peut enter dans mémoire. Depuis dans mémoire, il y a voulu dans runnable queue. Et le high level scheduler, ce travail, qu'est-ce qu'il fait? M'expliquer bien. Ça, CPU, ça. Allez, get dans sa photo là, vous autres comprenez bien. Ça, CPU. CPU, c'est un process là, mais il peut running, il peut exécuter. CPU, il peut quand il prend le travail. Tout ce qui peut attendre dans la queue. Voilà, tout cela peut attendre la queue. Bon, tout ce qui peut attendre la queue, le ready queue, c'est même appelé ça runnable queue. Ready to run. Runnable, peut attendre pour run. Il y a RAM, peut attendre tout. P5, ce tout. Allez, après P5, qui s'en a venu? P6. Après P6, qui s'en a venu? P4. Chacun ce tout, il met la queue là. Ready queue. Ready to run. On appelle runnable. Je peux attendre tout pour rendre le CPU. CPU peut écraser, peut exécuter. CPU, il peut faire un seul job à la fois. Parce qu'il y a un seul CPU, un seul travail à la fois, running. Bon, si une affaire est dans la CPU, on appelle le running. Si une affaire peut attendre pour rendre dans la CPU, on appelle le ready or runnable queue. Et si une affaire peut attendre IO device, on appelle le block state. Il peut attendre IO device. Bon, high level scheduler qui se roule, il prend une tasse, ok, depuis le block state, soit depuis le block state. Ok, il y a voué leader ready queue. Soit depuis le hard disk, il y a voué leader ready queue. Mais le high level scheduler, il prend un process, ok, entering the system, soit depuis la mémoire, et il met tout dans ready queue. Le high level scheduler se travaille pour mettre un process dans ready queue. High level scheduler se travaille qui était pour mettre un task dans ready queue. Pour préparer tout, pour attendre tout dans ready queue. Ça, c'est high level scheduler ce travail. High level scheduler, depuis quand il y a un job, depuis le hard disk, le RAM, il peut prendre l'île, il peut avoir le ready queue. Maintenant, il y a medium level scheduler. Medium level scheduler qui se roule, il swap un process between mémoire et backing store. Voilà, medium level scheduler, ce travail, quand il était là, le level, et medium level scheduler, ce travail, pour swap un job. Depuis de RAM et depuis de backing store. Si elle est de hard disk, mettre de RAM et depuis de RAM pour avoir de hard disk, etc. Bon, le level scheduler qui se travaille, move process from the ready queue to the running state. Voilà, le level scheduler là, il prend un job depuis ready queue et avoir le running state. Ready queue to running state. Ça, c'est le level scheduler. Correct? Et le level scheduler, nous pouvons trouver aussi
li prend mandat DOS depuis running queue, il y avait leader block state. Voilà, le level scheduler. Il aussi avait leader block state. Voilà. Maintenant, on finit avec high level scheduler, medium level scheduler avec low level. Nous recap. High level scheduler qui diffère. Il prend ben process, il y a un leader ready queue. Ça, c'est high level scheduler. Il prend un process qui est intermémoire, il y a un leader ready queue. Medium level scheduler, il swap between main memory and backing store. Et low level scheduler, il prend un job depuis le ready queue, il y a un leader running state. Ou bien, depuis le running. Ouais. Bon, je veux dire, le level scheduler, il n'est pas avoir travail dans le ready queue. C'est high level scheduler, ce travail pour avoir dans le ready queue. Ok? Le level scheduler, il prend depuis le ready queue, il avoir dans le running queue. Tu connais chacun ce rôle, ça fait que moi, je vais te donner l'exemple. Je vais essayer de te donner l'exemple. Là-dedans, fait que moi, je vais l'école que toi, tu es un head boy. Et tu es un prefix. Et tu es un class captain. Mettons une flag raising ceremony. Head boy pour classe ban travail. Il peut dire ban prefix, je reste devant, je contrôle ban classe captain. Tu dis ban classe captain pour faire le gâteau depuis là-bas pour le distribuer dans la classe. Mais ban head boy, pas pour le gâteau, il pas pour le quitter. Mais il peut faire certains travail. Ça, c'est un travail spécifique. Les nuggets là bien. Imaginez running CPU. C'est comment dire classe ben élève là donc mais le level scheduler il besoin c'est ce gâteau depuis côté bureau et il besoin amener dans la classe ça se travaille tu vois comment à ce dire mettons high level scheduler il besoin pâtisserie il besoin amener gâteau là il besoin mettre leader bureau là ready queue disons bureau mais high level scheduler se travaille pour faire ce gâteau là depuis la pâtisserie pour amener pour mettre dans le bureau. Et depuis le bureau, le level scheduler prend lit, il peut avoir lit dans classe. Et ça a un rôle, tu peux comprendre chaque place là. Ready queue, qui se travaille pour arranger ça dans l'autre, pour distribuer. Et ça, c'est plus là ce rôle. Il y a le level, high level scheduler, depuis le bloc, il peut tirer un job, il peut mettre dans ready queue. Et le level scheduler, depuis le ready queue, il peut avoir lit dans running state. Correct. Et aussi, il y a un leader block state. Bon, ne continuez à guetter. Je veux dire, la scheduler cassé en trois catégories. Donc, vous avez une question l'examen. C'était comment ça outil et quand vous avez ce rapport au plutôt. Mais je ne comprends. Nous avons CPU, nous avons ready queue, nous avons block state. Et chaque scheduler est un bon rôle. High level scheduler, il prend un bon job, il met le ready queue. Medium level scheduler, il swap un bon job entre main memory et backing store. Low level scheduler, il met un job de ready running queue, running state, code CPU. Maintenant, tu as une affaire qui se besoin de comprendre qui veut dire preemptive et qui veut dire non preemptive process. Ok, qui veut dire preemptive avec non preemptive. Ça démo là, je vous ai connu cette différence. Preemptive avec non preemptive. Ok, d'un côté process même. Il y a une cause process, ne veut dire un job. Il y a une cause process qui est de ses enfants. Process, c'est tout bon job qui peut run. Voilà. Tout bon process qui peut run. Et qui n'arrive ça. Qui n'arrive là. Allez là. Tout bon process qui peut run. Un process en existence, il est capable de running state, il est capable de block state, il est capable de ready state. Il veut dire un process qui est existant. Si je intense, je choisirai mon intense, je vais finir qu'il est plus outil. Mais c'est moi, dans le process, je peux dire, il y a deux qualités que je catégorise. Il y a les préemptives et les non-préemptives. On aussi expliquer qui veut dire préemptive avec qui veut dire non-préemptive. Bon, préemptive veut dire un process, ok, can be preempted after each quantum of time. Veut dire que tu arrêtes préemptive, veut dire que tu arrêtes un process. Tu arrêtes, tu arrêtes. Avant sur le temps terminé, avant sur le temps pour exécuter, terminer la CPU. Déjà, un process, disons, il y en a pour prendre 20 secondes de CPU. Mais tu es capable d'arrêter, il préimplique. Comment dire, tu es capable d'arrêter, tu es capable de stopper, tu es capable de tirer depuis la CPU à n'importe quel moment. Ok? Mais non préemptive veut dire, ça process-là, il rentre dans la CPU,
tu n'es pas capable de faire l'idée. L'air gagne time slice. Tant qu'il n'est pas fini, tu n'es pas capable de faire l'idée. Comment dire, le tour peine à freiner un bras. Il démarre, il peut rouler, puis aller, peine à freiner, peine à non. Il n'est pas capable d'arrêter ça. Non préemptif, il veut dire pas capable d'arrêter. Tant qu'il n'est pas arrêté par lui-même, tu n'es pas capable. Il veut dire préemptif, ce qui te comprend, tu n'es pas capable de freiner, tu n'es pas capable d'arrêter. Si time slice expire, tu vas tirer l'idée de la CPU, tu vas mettre un autre process. Préemptive, tu vas stop, tu vas hold, tu vas préempt. Préempt, tu vas hold, tu vas tirer. Si sur time slice expire, tu vas tirer l'idée, tu vas mettre un autre. Mais non préemptive, pas capable de tirer. Une fois démarré, tu vas laisser. Fais-moi dire ton aliment physique. Un physique, tu vas tirer l'idée pour dire que tu sois là avant de dire que tu es là. Tu vas l'imli, l'logi, il y a de l'air. Tant qu'il n'est pas fini éclaté, il y a l'air, tant qu'il n'est pas fini éclaté, tu vas arrêter. Tu vas préempt. Tu peux comprendre? Ça veut dire non préemptive. Non préemptive veut dire pas capable d'arrêter. Il y a un fixe time. Donc, on va te démolir, déclencher. Tant qu'il n'est pas arrivé à la fin, tu ne vas pas arrêter. Veut dire non préemptive, process là, il peut rouler dans le CPU d'enfant. L'une fois qu'il rentre dans le CPU, il démarre, pas qu'à arrêter. Et préemptive, time slice arrivé, ce time slice expire, tu es capable de tirer, tu es capable de mettre un doute. Ok? Voilà un petit peu une cause. Là. Maintenant, il y a une question pour poser, ne vous guettez ça bien, scheduling algorithm, le poil guetter. Il y a plusieurs scheduling algorithm. Mais avant, vous comprenez scheduling algorithm, vous devez comprendre ce diagramme. Si vous comprenez ce diagramme-là, c'est là où vous êtes capable de comprendre scheduling algorithm. Allez, suivez, c'est moi qui vous pose ma question. Là, hein. Si je ne comprends pas ça, je ne vais pas parler devant. Allez, nous prenons le fait comment dire CPU. Dit comment dire rectrice ce bureau ou rectrice ce bureau. Et bon là, vous êtes tout bien comment? Suivez. Oui. Allez. Ça rectère ou rectrice ce bureau. Et là, en dehors, ben, vous allez faire l'arqué pour attendre tout. Là, programme 5, le premier de l'arqué. Programme 6 vient après. Programme 4 vient après. Ça quand même mettre l'arqué. Il fait l'arqué. Vous êtes ready pour aller dans le bureau rectrice. Ça bureau rectrice. Recteur ou rectrice. Recteur ou rectrice, il est capable de prendre un élève à la fois pour causer. Est-ce qu'ils peuvent comprendre lui? Oui. Allez, allez. Maintenant, il y a un élève, il n'est pas ready dans la quête. Qui dit faire capable, il n'a pas le manger. C'est pas dans la cantine. C'est pas dans la toilette. Mais il n'est pas dans la quête. C'est tout pas avec compter là. Il n'est pas dans la quête. Lui, il est dans le bloc state. Il veut dire capable, il dans la cantine pour ses gâteaux. Soit mon parcours dans la toilette, il peut venir en chaman, il est dans le bloc state. Tant que ce problème n'est pas fini réglé là-bas, la cantine est finie manger ou bien dans la toilette, donc il n'est pas fini, il n'est pas pour venir pour attendre ce tour de l'arché. Est-ce que l'exemple là est assez correct pour vous comprendre? Il est correct là, nous allons continuer. Oui. Veut dire CPU, ouais, CPU il est capable d'exécuter un seul process à la fois. Ça qu'un ce tour pour rentrer là. Maintenant, ça ready queue là, il y a plusieurs façons d'organiser. Correct, ça ready queue là. C'est-à-dire, ça chapitre qui ne peut pas sa section qui ne peut pas guetter là, il faut baser comment nous dresser ça ready queue là. Qui qualité algorithme nous peut servir, qui logique nous peut servir pour dresser ça ready queue là. Ça nous peut pas guetter. C'est-à-dire, tout pour baser le dressman job. Qui s'en a ce tout de sa ridicule là, qui s'en a pour venir avant, qui s'en a pour venir après, il y a plusieurs algorithmes. Algorithmes veut dire plusieurs logiques, plusieurs stratégies, comment nous pouvons résoudre dans l'autre. Tu veux comprendre? Ça même, nous pouvons avoir plusieurs algorithmes pour faire. C'est même appelé ça scheduling algorithme. Scheduling algorithme veut dire sa ridicule là, comment nous mettre dans l'autre, comment nous dresser. Bon. Allez, on va vous ça. Right. Un algorithme veut dire first come, first serve. Qui veut dire first come, first serve? Le get ça l'arqué là. Avant de rentrer au bureau rectaire, nous dire que ça n'a vu le premier de l'arqué, lui-même pour le code rectaire avant. C'est même appelé ça first come, first serve. Est-ce qu'ils ont bien compris? Mon manzélé, galoupé, vini, que ça n'a rentré premier de l'arqué, lui-même pour rentrer au bureau rectaire avant. Mais que ça a plus faux pour venir. Il pour rentrer premier, il pour attendre de l'arqué. Ça n'a galoupé, il vient premier de l'arqué, surtout, il pour premier pour rentrer au rectaire. Ça, on appelle ça first come, first serve. Est-ce qu'ils ont compris? Allez, réponds-moi. First come, first serve. C'est-à-dire FCFS. C'est-à-dire first come, first serve. Tu comprends? Ça, c'est un algorithme. Une façon pour travailler, un scheduling algorithme. Ça. Ok? C'est un autre algorithme. Tu as l'air de vous expliquer en détail. Un autre algorithme appelle ça shortest job first. SJF. Shortest job first. Shortest job first, qui veut dire?
de sa laki la la, les opé met laki, mais j'ai tout banzé les opé attendre pour rendre un bureau recté, mais opé met laki. Si qu'il y a un petit travail pour faire, vin de bon. Si qu'il y a beaucoup long, long travail, explication pour faire, attendre tout pour dire. Mais par exemple, P5, il y en a 10 pour donner recté un passe, il y en a même pour causer un recté. Il y en a pour 10 donner recté un passe. Puis rentrer, il donne un passe, il y a, il y en a même pour causer. Puis, programme 4, il y en a un tas d'histoires pour raconter recté, il y en a un tas de problèmes. Ok? Il y en a problème, un tas de problèmes, il y en a pour raconter ces histoires là-bas. Il y a le pont de hier, il y a tant de surtout. Programme 5, il est plus rapide, il y a un petit travail. Il y a vite, il donne recté pour les cas aussi, aller pour les autres, gagner les autres tout. Mais shortest job first, il vient devant. Ça, c'est un autre algorithme, un autre policy. Shortest job first veut dire ce qu'il y a un travail. Ce travail coûte à le devant. Mais première policy, c'est différent. On dit first come, first serve. On va dire la jeune, galoper, la dire. Quand on a une première, on a un bis premier. La clause sonne, tous les enfants galoper pour prendre bis. First come, first serve. Mais les là, recteur qui lui dit. Il dit non, first come, first serve, pas bon. 26 enfants pour gagner écrasé, mais là, pour les autres. Mais qui nous fait? Nous avons 26 enfants, cool, 20 formules, d'autres cool, shortest, d'autres petits cool. Il dit, moi, là, on a un petit peu avant eux. Al devant 5 minutes, de carrière à place d'obis. Puis il y a un peu plus bon, non? Pareil. Ça, c'est un autre policy. Il y a un autre policy appelé shortest remaining time first. Shortest remaining time first, veut dire qu'il n'y a pas get à cause du shortest job. Parfois, il y a un shortest job, mais shortest remaining time. C'est là qu'il y a un petit peu de temps remain. Plutôt, nous donne ce qui est shortest remaining time, priorité. Les vins avant, tu peux comprendre, remaining, combien de temps il restait pour processer. Mais ce qui est la shortest remaining time, les vins avant y aller. Correct? J'espère que tu comprends quelle différence est la shortest remaining time. Les temps qui restaient pour exécuter possible. Maintenant, il y a l'autre policier appelé Round Robin. Bon, Round Robin, qui était et comment il est différent avec First Come, First Serve? Moi, tu prends bien, Zélève, explique-moi. Qui est la différence entre First Come, First Serve? Avec round robin. Nous allons mettre ce diagramme là pour comprendre un peu plus bien. Là. Bon, si nous disons first come, first serve, ça veut dire que c'est un galopé qui vient avant, lui-même l'exécuter. Mais ce qui vient avant, s'il a beaucoup de palabres pour faire, s'il rentre côté traité, il ne parle pas pour sortir, c'est là, ça ne pas pour sortir. Le reste, tout ce qui parle derrière lui, il n'a pas attendre, trop beaucoup de temps pour attendre. Ça veut dire first come, first serve. Il n'est pas une bonne méthode. Parce qu'il est petit là, il est galopé, il est venu, oui. Il est venu premier, oui. Mais il y en a beaucoup qui sont racontés, mais tout ce qui part derrière peut pénaliser. Il n'est pas une bonne méthode. Il bloque CPU, il bloque recteur. Un zone, il peut raconter. Tout ça, il peut dire, il reste à temps, il y en a plein. Il veut dire, force comme force, il trouve une lacune là-dedans. Il veut dire, si le premier, il est venu en attaque recteur, il prend tout l'état pour recteur, il reste à attendre. Mais qui fait ne pas faire rien de façon. Un dimon rentré contre recteur, il gagne 10, 5 minutes. Après 5 minutes, il finit, il pas fini. Il y a le port derrière, il réattend ce tour. L'autre, ce qui est port derrière, il regagne 5 minutes. Il expire, il y a le port derrière. C'est-à-dire, ce qui finit, qui fait ce 5 minutes avec recteur, il y en a encore qui sont pour dire, il y a le port derrière, il réattend ce tour. Ré 5 minutes, un autre finit, il y a le port derrière, il réattend ce tour. Là, tout du monde peut gagner les autres 5 minutes pour raconter le terme. Mais s'il y a un cours qui se raconte, il n'est pas encore fini, il réattend ce tour pour dire. Mais là, il y a le pour dire, il réattend ce tour. Je trouve que modèle peut faire un rond, il réattend pour dire, il attend ce tour. Il réattend pour dire, il attend ce tour. Et si ce time slice expires, mettons une demi 5 minutes, time slice expires, il réattend pour dire. Mais il n'est pas fait un round, il fait round, chacun gagne ce tour, ça même appelle ça round robin. Round robin, comment il est différent avec first come, first serve? First come, first serve, il finit, il rentre dans le CPU, il reste là même temps qu'il n'est pas fini, les autres pas pour rien ce tour, même qu'il est premier. Mais là, nous prenons first come, first serve, nous mettons time slice là-dedans, laisse aux 5 minutes expirer, les gars, ils coupent, ils pas dire. Là, nous mettons time slice là-dedans, first come, first serve, qui est fini? Il vient round robin. Sur l'état expiré, il y a le pas dire. L'état expiré, il y a le pas dire. Il veut dire, first come, first serve, si nous mettons time slice, alors il vient round robin, il attend ce tout, il y a le pas dire, ré, l'autre vini, il y a ce tout le pas dire.
Bon, les enfants, nous c'est réexpliquer. Qui nous peut expliquer? Nous peut expliquer que les CPU pour exécuter bon travail, bon job qui peut atteindre dans Ready Queue, et dans plusieurs policiers pour arranger, pour s'alarquer là, mettre l'autre, et dans plusieurs idées, il y a plusieurs algorithmes, il y a plusieurs logiques. Et un man logique qui nous peut guetter pour sa ridicule pour arranger, il appelle first come, first serve. Et comment on explique first come, first serve? Nous disons ce qui vient avant, il vient avant, il rentre de CPU, tant qu'il n'est pas fini, l'autre pas pour rentrer. Il appelle ça first come, first serve. Deuxième, nous appelle scheduling policy, un autre principe, shortest job first. Mais je suis tout venu là, je suis rentré dans la quai, mais c'est moi qui s'en a mis devant. Ce qui est plus court, mes enfants plus court, mine devant, et là, mine. Pareil que moi dans l'assemblée, parfois, je me retire, je mets mes enfants, faut mine pas devant, faut me pas dire, là, y aller, comme ça, parce qu'il y a ceci pas dire. Qui fait aller faire ça, parce que mes six enfants n'ont pas pour gagner longueur, parce que mes longueurs là, pour base. Et troisième policy, je peux guetter shortest remaining time. Je veux dire, combien de temps resté pour terminer? Pour prendre CPU. Ce qui est la restiquine, le temps prêt pour terminer, nous laissons venir devant. Correct? Prêt pour terminer, les laissons devant, pour aller à la CPU, il finit à aller. Ça, on appelle ça shortest remaining time. Dernier, je peux guetter round robin. Round robin, nous dire, mon job là fini, mais c'est moi, il n'est pas attendre qui. Tant que les pas terminé, il passe aussi. Nous donnons un time slice. Comment gagne le temps? Nanosecondes, c'est pas, on va connaître combien de secondes. Il y a le pas de hier, chacun se trouve à le pas de hier, le pas de hier, tout gagne le temps pour causer avec les FNS, qui pas pour un bloc système. Maintenant, si je dis, moi, je comprends, vous prenez en détail, vous pouvez expliquer ça, quatre policiers là. Donc, on va continuer ou ça va être la question? Ça va être fini de où? Une petite question là. Ouais, ouais. Là où la table là. Ouais, la table là. Ah, ouais. Le table. Là-dedans. Compte préemptive. Préemptive là, là, ça? Là où, là où. En bas, mais en bas. Allez, right. Ouais, moi, le rappel. En bas, en bas. Là. Ouais. Troisième, là, question de high priority process à la ligne d'availability. Là, c'est un coup comme ça. Ouais. Et nous pouvons prendre préemptive, ça, hein. Préemptive veut dire nous capables d'arrêter. Non préemptive veut dire nous pas capable d'arrêter. Bon, préemptive veut dire nous capable d'arrêter. Normalement, il veut dire high priority process arriving in the ready queue on a frequent basis can mean there is a risk or than lower priority process or starve of resources. Bon, ici, là, nous avons préemptive, veut dire de quand tirer. De quand tirer une affaire depuis de processer. Mais seulement, si le process qui est en higher priority, tous les temps il y a le port devant. Correct? Quand il y a un higher priority, tous les temps il y a le port devant. Mais le lower priority là, tous les temps il pourrait se porter derrière, il pourrait se tomber même. Je vais te donner l'exemple. Fais comment dire, toi, ton head boy de l'école, si pas ton class captain de l'école. Là, tu as un problème, tu as loupé dans le code recteur, tu as une priorité, tu tapes la porte de rentrer. Mais si avant toi, tu es un élève, faut me dire bonnes enfants, c'est un bon problème. Il n'a pas un problème vision, il n'a pas trouvé bien dans la classe. Il a envie de faire rectifier pour s'en sortir. Mais là, toi, tu es venu, tu es doublé, tu es higher priority, tu es rentré contre rectifier. Puis si là, il n'y a pas de gain sur tout, toi, tu es rentré. Mais après, toi, tu es fini à aller, et l'autre préfet est venu, l'autre petit là, il ne reste pas dire même. L'autre talent, l'autre classe capitaine est venu. L'autre petit là, pour malheureux, il faut me dire, il ne reste pas dire. Mais souvent, des fois, arrivé dans. Preemptive algorithm, ben low priority job, je ne responde hier pendant longtemps, malgré, je vais arrêter Satan, à cause de mon high priority job, je dépasse, je te rends dedans. Mais ça, c'est des avantages des preemptives. Tu peux comprendre? Il gagne des avantages. Nous avons répondu dans l'autre exemple, le récusé. Mais il est bon de. Ouais, moi, c'est moi, il est bon de poser des questions pour me capable d'avoir un scénario pour expliquer-toi. Mais c'est moi, rappelle les affaires bien. Tous les temps, là, je te pose des questions, là, je te comprends plus bien. Et nous, si professeurs, nous gagnons comment, qui te peut rouler? Parce que nous gagnons l'impression tout facile, blablabla, bla, bla, nous causer, nous aller. Finalement, capable d'enfants, on n'a pas trop comprendre. Mais pose des questions avec moi. Bon, là, nous pouvons causer ça en détail. Si je vous ligne algorithme, tu as là, nous pouvons papier d'examen, tout là. Hein?
veut dire scheduling algorithm in a plusieurs algorithmes. In a first come, first serve, in a shortest job first, in a shortest remaining time, in a round robin, inshallah. Mais souvent, des fois, les élèves pas qu'ils comprennent entre round robin avec first come, first serve, qui différence il y a. Il y a une différence, vous trouvez. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez prendre l'exemple expliqué en cours. Et nous allons get le livre, comment il explique ça. Avec un autre exemple. Peut-être que vous comprenez plus bien. Allez, vous êtes avec moi là? Oui. Allez. Bon, là, il y a 0, 23, 27, 36, 39, qui était ça? C'est les temps. Ça ne peut être first come, first serve. Zero time. Allez, zero time. First come, first serve, qui veut dire? Process one, infini. Allez, process one, mettons les élèves, ça. Student one. Infini, qui l'infire? L'infini avant. Combien les temps l'utilise pour process one? Process one, besoin 23 minutes. Process D, besoin 4 minutes. Process 3, besoin 9 minutes. Process 4, mettons, besoin 3 minutes. Mettons, ça les bout de nous dans l'examen. Chacun sur les temps. Tu peux comment faire? On va dire, ben, on n'a pas besoin de rectir. Student 1, il a besoin 24 minutes, 23 minutes pour poser un rectir. Student D, il a besoin 4 minutes. L'autre là, besoin 9 minutes. L'autre là, besoin 3 minutes. First come, first serve, qui arrive, les enfants? Les premiers élèves, ils rentrent. Ils rentrent, code 0 secondes. Des suites, ils vont venir rentrer. Mais après 23 minutes, sorry, pas seconde minute. Après 23 minutes, ils poussent au routier. Après 23 minutes, les là qui arrivent. Process élèves dérentrés, process dérentrés. Ok. Les process dérentrés, ils visent combien de minutes? 4 minutes. Vous voyez, 23 plus 4, comment faire? 27 minutes. Après 27 minutes, process D terminé. Les là qui sont rentrés, process 3, c'est les 3, ils sont rentrés. 27 plus 9, comment faire? 36 minutes. Après 36 minutes, les là, les élèves, quatrième élève rentré, il prend 3 minutes. Bon, ça c'est, je ne comprends pas, les élèves 1, les élèves 2, les élèves 3, les élèves 4, chacun sur les temps pour zone rectir et dans qui les autres zones rectir. Bon, maintenant, qui nous peut calculer? L'examen dit qu'il y a une question, calculer average time. Bon, waiting time. Combien en average chaque process il attend? Chaque élève, combien de temps il attend pour rendre le bureau rectir? Bon, premier élève là, 0 secondes, il n'est pas en attendant. Non. Deuxième élève là, il attend 23 minutes. Troisième élève, 27 minutes. Quatrième élève, il attend 36 minutes. Mais nous ajoutons tout ça, les temps là, nous divise par 4. Je veux dire, the first come, first serve, un élève, besoin attend en average 21,5 minutes avant de rectir. Est-ce qu'ils ont compris comment calculer ça? Yes. Allez, je ne pas millisecondes ça. Capable même de faire erreur, allez. Millisecondes ça, capable. Moi, je prends quand même unit time. Hein? Millisecondes ça, ok. Ok, millisecondes ça. Hein? Ok. Moi, je prends quand même unit time, mais je ne comprends pas l'idée là. Hein? Ok. Merci. Allez, nous continuons. Maintenant, nous finis first come, first serve. Astaire, nous get shortest job first. Après ça, nous get shortest remaining time. Ok. Mais c'est moi, je ne vais pas gagner le temps de faire tout en détail. Un démo pour skip bad notes là. Pour ne pas montrer les autres notes là. Je vous lis à l'île. Là, dans la prochaine classe, je vais le correct? Parce que moi, je vais gagner le temps de faire tout. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de choses pour faire. Il y a une des choses pour les autres, appeler le temps. Pour les autres réfléchir, les autres guetter. Et là, car nous pouvons répondre. Maintenant, nous get shortest job first. Alright. C'est un 26 enfants qui viennent avant là. Hein? Mais shortest job first, nous appelons non-preemptive. Et shortest remaining time. Shortest remaining time, on appelle preemptive. Bon, non-preemptive veut dire une fois déclenché, tu vas arrêter. Et preemptive veut dire que tu vas arrêter l'autre tour venu. Preemptive, il y a un time slice. Boss time veut dire combien de temps il prend pour exécuter. Total time. Maintenant, là-dedans, il y a nous quatre process. Chacun son boss time, il y a nous. Pareil, moi, t'es là. Process 1, je lève N pour prendre 23 millisecondes. Et process des élèves des 4 millisecondes, ça je ne finis rien. Maintenant, shortest job first. SGF. Shortest job first. Voilà, shortest job first. Laquelle vient avant, les enfants? Nous, il y a 4 jobs, non? 4 jobs. Un là, 23 millisecondes, 4 millisecondes, 9 millisecondes, 3 millisecondes. D'après eux, qui process pour rentrer avant la CPU? Non, c'est qui trois là? L'IM shortest, non?
qui se pensait. Gaitan là 23 millisecondes, un enfant il a 23 millisecondes pour avec Richter, un là 4, un là 9, un là 3. Moi je dis shortest job first. Laquelle shortest? 3 là non? Le process, non, c'est vrai, 3 millisecondes. Mais déjà, c'est les 4. Qui te dit déjà, c'est même quand on mal tendu? Process 4. Ouais, souris, hein, quand on mal tendu. Ouais, mon mal tendu, hein, souris. J'aime bien dire, process 4, mais déjà 3 millisecondes. On pense le second là. Souris, hein? Allez, process 4 rentre avant, très bien. Mais déjà, process 4 rentre, les enfants. Et combien de secondes il prend? Il tire rentré contre 0 secondes. Il prend 3 secondes, millisecondes, souris, pour les compléter. Mais les process 4 complétés. Le next, ça là, vini. C'est process D. Parce qu'il dit 4 millisecondes. Là, la process D rentrée, il prend ce 4 millisecondes. Il y a 3 plus 4, 27. Et après process D, ça là rentrée. Process 3, non? Process 3 rentrée avec 9 millisecondes. Voilà, process 3 rentrée. 9 millisecondes, 7 plus 9, 16. Et après ça, là, process 1 pour rentrer. Maintenant, sur average time, comment tu peux calculer? Bon, premier process là, il n'y a pas d'attendre rien, 0 secondes. Deuxième là, il attend 3 secondes, millisecondes. Et troisième là, il attend 7, et dernier là, il attend 16. Ajoute tout, divise par 4. Il y a 6,5 millisecondes. Je veux dire, dans first come, first serve, il y a une bizarre attendre en average de 21,5 millisecondes. Tandis que dans shortest job first, il attend 6,5 millisecondes. Veja shortest job first, le meilleur, parce qu'il en attend 10, la plupart en avaler 6,5 millisecondes, tandis que l'autre là, le 21 millisecondes, ils attendent. Ok? Bon, on va regarder le temps, on fait tout, on va donner une petite idée. Maintenant, on va discuter un autre petit bout. Shortest remaining time first. Et rappelle bien, shortest remaining time first, le preemptive. Qui veut dire preemptive? Veut dire ou capable Thierry et le process rentrer. Le time slice expiré. Veut dire ça c'est burst time. Burst time veut dire total time pour l'exécuter. Ça c'est son arrival time pour process là. Ça process son arrival time. Il prend autant millisecondes pour réarriver, autant millisecondes pour réarriver. Et ça là prend 3, 0 millisecondes, là, 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 prend pour arriver. Maintenant ça là on va pour expliquer net. On peut net jeter un coup d'œil. Bon. Qui est le shortest remaining time, non? Bon, de quel ordre pour rentrer? Je veux dire, process 1, soit arrival time 0, je veux dire process 1 pour rentrer. Voilà, process 1 est rentré. Et là, 10 après 1 seconde, process 2 rentré. Ok? Après 2 millisecondes, je veux dire 1 plus 2, 23, process 4 rentré. Et après process 4, process 3 rentré. Non, on fait erreur là. Process 1 rentré, process 10 et là, process 4. Bon, c'est un autre zéden coup d'œil, donner un petit peu plus l'état là-dedans. Ça can get li. Nous analyser, nous faire les plus bien. Nous get sur average time et nous vous rediscutons ça dans la prochaine classe. Nous donnons un peu les temps pour réfléchir parce que ce calcul n'est pas autant facile, il est un petit peu compliqué. Mais nous vous donnons les temps pour réfléchir là. Correct? Mais déjà, on laisse ça pour cette session là. Qui partit mon laisser? Shortest remaining time first. Avec mon dialy préemptive. Et ça bout là, mon laisser là. Shortest remaining time first. Nous vous reprenons lui. Nous vous guettez comment le carré explique lui d'une façon plus simple. Ok? Et voilà sur ma notes. La vidéo là, le car pose, le car guetté. Le car check un coup. Bon. Mon point introduit à lui, mais ça aussi moi pour expliquer lui net. Parce qu'il nous coûte déjà de l'état pour reguetter lui, retravailler. Round robin, comment on étudie à là? Ok, il donne tout process and time slice. Ok, bon, là-dedans, nous allons essayer de donner une idée comment ça va dérouler. Ok, round robin, comment il déroule les enfants? Aussi, explique-toi. Process 1 rentré. Ok, et il fait 5 secondes. Après, les sorties y aller. Qui fait les sorties y aller? Parce que ce time slice est expiré. Ok? Mais rappelle bien, avant de comprendre ça, tu dois bien comprendre chaque process comme elle est en libre. Chaque process, nous vous rappelle, process 1, il est 23 minutes, 1 millisecondes. Process D4, 3, 9,
4 points. Allez, rappelle ça, écrit, il y a une place plus haute, rappelle, hein, je vous oublie ça là, entièrement, vous expliquez bien. Je vais écrire, il y a une place parce qu'ils vont vous oublier, ça va vous oublier un lit là. Correct. Allez. Je vais dresser, écrit, process 1, 23, process D, 4, process 3, 9, et process 4, 3. Ok, je vais écrire. Maintenant, vous expliquez. Round robin, process N, il commence, mettons le dernier time slice des 5 millisecondes. Process 1, il prend 5 millisecondes. Mettons le rectangle, il gagne 5 minutes. Après, tu as allé, tu attends de tout pour dire. Tu as allé, tu as prévu. Process D, vini. Mais process D, combien de temps, hein? Process D, combien de temps, hein? 4. 4. Ouais. Mais qui fait, il parle depuis 5. C'est la carrément qui fait, il parle depuis 5. Parce qu'il a 4 minutes même. Job est fini là même. Ouais, bien bon, mon garçon. Job là fini là même. Il veut dire 5 plus 4, il vient 9. Tu comprends? Process D fini, terminé, il y a le retour dans sa classe. Il n'est plus mis à recteur. Il y a dans sa classe à ce terme. Correct? Allez, process 3 rentré. Il veut dire 5 plus 4 là. Il fait un 9. Process 3 rentré. Process 3 nous donne 5. 5 minutes en coulis. 9 plus 5, combien fait-on? 14. Il n'est pas terminé. Il ne peut pas parler. Il peut attendre ce tour. Il est là. Process 4 rentré. Mais process 4, combien de secondes y était? 3. 3 secondes. Allez, bien bon. Merci. B, 4 plus 3, combien fait-on? 17. 17. Vous voyez? Il arrive là. Il est là. Il finit. Tu veux qu'on parle à nous? Allez, allez. Allô? 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 Ouais, vous pensez qu'on ne rentre pas. Ok. Allez, si la plupart est rentrée, nous continuons. Allez, vous êtes avec moi là? Oui. Allez, right. Bon, quand tu es arrivé là, mon PAD là, hein? Et ouais. Ouais, là, tu arrives d'ici. Mais process 1, 2, 3, 4, il termine. Ré, process 1, il gagne sur les temps. Process 1, il dit 23 minutes, non? Allez, dans 23, 5 est fini déroulé. Tu aurais donné encore 5. Ok? 17 plus 5, combien il fait ça? Exact, 22. Mais qui fait process D par Vini? Il finit à la classe, petit là. Parce que ce qu'il s'est là pour donner, il finit faire, il finit aller. Process D par Vini. Process 3 Vini. Process 3, combien il est dans ici, il dit? Process 3, il dit 9. 5 est terminé. 5 là, c'est fini, terminé. Combien resté? 4. 4. Ouais, veut dire 22 plus 4, il fait à 20? 26. Veut dire 26, il finit à aller. Et là, race, process N, il gagne ça. Il touche la stère. Il regagne 4, non, 5, il regagne 5, après il est terminé. Vous comprenez? Monsieur, mais il dit qu'il est touché. Il ne fait pas le temps, tous les temps qu'il reste là, je suis. Non, mais il me prend tous les temps qu'il est expiré. Mais il gagne un coup de pied, il y a un pas de il revient, il y a un coup de pied, il y a un pas de il y a un pas de il n'est pas sorti en haut, si tu veux bien, d'une certaine façon. C'est mon time slice là, clock là, oui. Mais les recteurs, ils trouvaient peine encore du monde pas de il. Il est petit là, assisé. Mais c'est moi, il dit, le time slice, il est fini. Tu es supposé gagner une Europe. Quand la cloche sonne la pipe, mais c'est moi, il reste là, petit là. Parce qu'il peine à l'autre pas de et la cloche sonne la pipe, buzzer. Mais c'est moi, il reste là, même. Interrompt là ou colli? Vous comprenez? Allez, nous continuons. Bon, c'est so waiting time. Vous avez un coup de comment calculer. Je ne vais pas trop aller en détail. Je laisse ça pour vous. Dans la vidéo là, une record. Comment calculer ce so waiting time? Ok? Bon, first come, first serve, il est 21.5 nanosecondes. Shortest job first, 6.5. Shortest remaining. Shortest remaining time first. 6.5. Et Ron Robin, 13 ans. Laquelle plus correcte d'après eux? Shortest remaining time first.
Ouais, mais c'est marketing. Je ne vais pas faire en détail tout. Je vais laisser un peu pour vous. Je vais pouvoir revenir avec lui pour vous. Je suis au travail en team. Correct? Bon, nous continuons. Vous êtes capable de faire la question. Vous pouvez poser cette question-là. Je vais travailler. Bon, dans la vidéo, là, je recode. Je vais travailler. Dans la prochaine classe, nous allons faire. Il y a 5 process in the toile, il y a ce boss, il y a un draw, so first come, first serve, shortest remaining time, shortest job first, shortest remaining time first, round robin, service avant de mettre là, sa table. Et calculer sur mon average time, cela. Correct? Maintenant, nous continuons. Nous avons une question d'examen, hein? Correct? Bon, nous avons une question d'examen qui a une différence. Nous finissons avec scheduling un peu là-bas. La même chose dans la vidéo là, je vais regarder après. Multiprogramming operating system. Explain the purpose of schedule. Ma question c'est qui role un schedule? Qui role, disons, moi je donne l'exemple, qui role un. Comment on appelle ça? Dans l'école, comment on appelle ça? Un usher, comment on appelle ça? Signaux éduqués, non, comment on appelle ça un autre? L'administration là, Bougla, porte pour tout, il m'a aussi mis l'autre. Esche Matron, ok? Qui se rôle dans l'école? Il va même décider, on va dire avec l'autre, de la cloche sonner, de devenir un tel élève à l'avant, à l'autre, c'est pas de les affaires. Mais un schedule, qui se rôle dans un computer? Un schedule, lui-même décide qui l'autre processe pour rendre la CPU et dans qui l'autre pour rendre la CPU. Qui s'en a pour venir avant, qui s'en a pour venir après, et il essaye de maximiser les ressources. Il y a un manager dans l'entreprise. Il organise le travail. Il dit qui travaille quand pour commencer, qui travaille quand pour arrêter, qui s'en a pour aller avant, qui s'en a pour venir après. Il organise le travail. Si pays dans la situation là pour chaotique. Mais il y a un schedule, il y a une partie de OS. Il décide de qui l'autre job pour exécuter, pour te processer à notre CPU. Et qui fait, il fait ça pour maximiser les ressources. Tout à fait servir efficiently. Et il maximise le throughput. Throughput veut dire output. Ok? Bon, partie B. Partie B, question-là, il était comme ça. Name free state of a process. Bon, ça, nous discutons de là. On va donner question à l'examen, rapport Cambridge. Ça n'a pas ma réponse, hein. Cambridge, sa réponse. Correct? Un process est capable de trois states, comme on en prend. Running state. Qui veut dire running? Actuellement, pas exécuté, pas processé. Hein. Et rappelle bien. Un seul process capable d'exécuter par processeur à la fois. Correct? Et le reste, l'autre même process qui peut attendre tout pour exécuter, les autres RAM. Nous appelons ça runnable state. Qui veut dire runnable state? Il veut dire ready to run, waiting to run, waiting pour la CPU. Correct? Dans ce tout. Et c'est ça, ready state là, runnable state là, mais tu peux appliquer même si tu voulais une policy là-dedans. Mais tu peux appliquer, c'est pas. First come, first serve, shortest job first, shortest remaining time first, et tu peux appliquer round robin là-dedans. Un autre state, on appelle ça block state. Tu te rappelles, moi tu peux expliquer ça, derrière block state veut dire. Ouais. Hein? Ouais, il peut attendre IO device, input output device. Veut dire, une bonne idée pour un joli exemple, quand tu peux expliquer ça, derrière moi tu peux essayer d'expliquer. Ça, diagramme là, explique ça bien. Vous pensez? Ça va vraiment expliquer un peu bien. Il dit à nous comme ça, comment dire, CPU qui dans running state, comment dire, qu'on recte à bureau recte à là. Ce qui est actuellement une seule élève dans bureau recte à puis exécuter. Et tout ce qui est en dehors du bureau dans l'arché, dans 16 puis attendre de tout. On avait ça ready to run, puis attendre de tout. Et ce qui est normalement gâteau de la cantine, ou bien dans la toilette qui se dit dans block state là. Faut dire qu'il finit son ban d'histoire pour les retourner dans, les remis mettre l'arché. Ok? Il y a un joli exemple pour comprendre sa 3 states là. Et nous continuons à expliquer. Ok, nous continuons à expliquer la question d'examen. Je veux bien comprendre ce logique. Si je comprends ce logique, là, vous correct. Voilà, sa 3 states là, je vais vous expliquer la question d'examen avec ce outil. Et je vais vous répondre. Now, how will operating system keep details? Ça aussi facile. Un operating system, comment il connaît chaque process sur un détail? Puis chaque process sur un détail gardé dans une structure, comme un database, comme un file, comme un table. Et ce table-là, on appelle ça process control block.
Et là où je donne l'exemple des process control block. Voici un mot bien réel là où. Là. Process control block, ce détail. Voilà, je vais donner ça. Vous devez question d'examen sur outil. Voilà, ça c'est un process control block. Il y a un process, il y en a sur ID dans sa carrière, il y a 457. Sur status, il y a waiting. Sur un register, il va aller. Et combien CPU time, remaining time, total time combien et remaining time combien sera en écrire. Ça c'est détail pour un process control block. D'accord, le carré est dans notre histoire. J'espère que vous comprenez, il n'est pas trop difficile, mais pour la première fois, si tu veux faire, il paraît un peu difficile. Bon, d'accord, toi. Mais vous allez mettre le temps, vous allez faire plusieurs fois. À cause de ça, vous faites vidéo, vous allez là, régler de vidéo. Là. Vous allez carrément. Bon, on est fini là, ça, quand on arrive là. On est fini, on dépasse ça, on est là. Pourquoi on arrive trop vite là hein? Si je voulais, ouais, ça, on est fini. Ça n'est fini. Ça, ouais, nous répondons là. Ça n'est fini. Oui, une autre question du pédiatre. Et process, any process can be described either processor bound or IO bound. Je vais expliquer derrière la note. Explain what is meant by these terms. Qui veut dire un processor bound process? Qui veut dire un IO bound process? Bon, un processor bound process veut dire un process. Qui lui visait Tigin IO. Il n'a pas besoin beaucoup IO. Mais qui lui visait beaucoup? Il lui visait CPU time beaucoup. Il lui visait processeur beaucoup. Il y a les vins de processeur, les ressources de processeur, les paroles sur outil. Il visait beaucoup processing power, il visait beaucoup calculation. C'est l'exemple en 3D graphics calculation. Ok? Et ça, c'est une application qui visait beaucoup processeur. Et normalement, un processeur, un process nous donne lower priority. Qui fait le web priority, s'il est venu, il y a 6 de processeur, il vous prend tous les temps pour processeur. À cause de ça, là, là si y a du monde de game, cela beaucoup, là, là, ben là, c'était ban GPU. Ban GPU, dans l'autre ban classe, non, causé. Quand, ben là, un process ban graphics en dehors de processeur. Un autre processeur pour faire ce ban graphics. Maintenant, IO ban process, ban process qui vise un plus beaucoup IO device, input output devices. Et il n'y a pas besoin beaucoup. Processeur time, il n'y a pas besoin de CPU beaucoup. Et il n'y a plus beaucoup de IO device, de input output device. De la ligne de ni higher priority. Nous laissons venir de CPU, faire ce petit travail et aller. Maintenant, nous continuons à causer. L'autre question. Il y a un particular scheduler allocate priority for each process for use, for the use of the processor. State which type of processor is scan processor. Bound or an IO bound would be given higher priority for the use of processor. Explain why. Bon, je vais répondre à cette question là. Mais normalement, nous donnons un IO bound process higher priority. Qui fait nous donner un IO bound process and higher priority? Il n'y a plus beaucoup IO device, input output device. Processeur n'est pas besoin trop beaucoup de temps. Mais laisse-les venir devant. Si nous avons un petit travail pour faire votre rectifier, nous avons quitté un papier dans les. Et il n'y a pas besoin beaucoup de temps à rectifier. Mais laissez-moi des bancs, donne ce papier, allez, pour les cas à faire le bon travail, ce travail qui va continuer de l'autre côté. Ok, voilà. C'est un IO bound process qui nous donne higher priority. Parce qu'il n'est pas besoin beaucoup d'état en processeur, pas pour processeur, pas pour monopoliser processeur là. Il nous donne higher priority. Vous pensez que je comprends? Hein, qui va continuer? Oui. Allez, arrête. Allez, j'ai un 2019, nous tenons une question, j'ai un 2019, papier. 32, question 8. Ok, moi j'espère que je vais noter. Question 8. J'ai terminé ça. A computer process can be in one of the three states. Bon, ça ne finit pas. Nous parlons vite là, non. Un state et ce description. Bon, ça ne finit pas ça. Hein? Bon, on a ready state, ready running block. On finit pas fatigué de faire ça. Ouais, on a cela là. On a cargué ça, hein. On continue. On a fatigué quoi le dos là. Continuez, ça a causé. Allez, ça va regarder le target de cela, parce qu'ils m'ont déjà discuté ça. Allez, novembre 2018, papier 31, question 5. Une question récente. Ouais. Là-dedans, les diatas comme ça, a computer process can be in one of the three states, nous disons. Explain how these processes are affected when the following event takes place. Okay. Qui est arrivé?
The running process needs to read a file from the disk. Bon. C'est-à-dire, un tu as besoin d'un film. Et le film là, tu as besoin d'évidemment de hard disk. Et qui est arrivé, tu as besoin de film là. Un peu file, il y a encore dans hard disk. Il peut lire des tas de hard disk. Il peut read des bits de hard disk. Et il peut toujours. Bon. Question c'est, the running process need to read file from the hard disk. Running process là, code l'ici actuellement. Les poulies exécutées. Running. Mais il y a des CPU. Mais il y a un process de CPU qui peut exécuter. Qui arrive là si il y a besoin des tas de hard disk? Hard disk c'est un IO device, input output device by storage de l'autre côté. Mais il y a qui peut arriver? C'est un running process là, il peut halt. Il peut bouger quand il peut aller. Il peut aller dans block state. Et qui peut le faire dans block state? Il peut attendre, gagner renseignement depuis le hard disk. Ouais, gagner file là depuis le hard disk. Et là, il finit gagner file là depuis le hard disk là. Quand il peut aller, si tu as dit. Quand il peut aller là. State. Redia faux? Ready. Ouais, exactement. Il peut aller dans ready state. Il peut pas aller dans running state directement. Il peut aller dans ready state, ready to run. Qui fait qu'il peut aller là-bas, il peut attendre ce tour pour les regagner un CPU. Ouais, il peut aller dans ready state. Zafran vient répondre. Il est dans ready state, il attend ce tour là-bas. Et il a ce tour pour venir, il est là pour re-rendre dans running state. Ok? Je pense que je comprends, je suis devant. Je suis en réel dans le diagramme là pour expliquer ça, pour remontrer. Oui. Correct là, le ciel là. Hein? Oui. Allez. Oui. The running process uses up its time slice. Ah. Une jolie question là. Un process qui peut run, il peut running, time slice expires. Qui arrive là, c'est quoi qui arrive? C'est la garde. Terminating. Tu connais Get qui ninja? Ninja time slice expires. L'ipandia burst time expires. Burst time expires. Il finit tout sur les dents. Il termine, il y a allé. Il est dans la vie. Ouais. Mais. Ouais, je comprends. Parce qu'il n'est pas encore terminé. Ce time slice expires. Il y a un coupier depuis là-bas, il sort. Il sort depuis là-bas, il a réattendu ce tour dans la quai. Quand il regagne ce tour, il rentre. Ce time slice qui n'expire. Bon, mon pensée, ici dans running state, process là halt. Et un autre process rentré, c'est le moment qu'il fait là, un autre process rentre dans CPU, et lui, il move dans ready state. Il attend ce tour dans ready state. Jusqu'à ce qu'il se tour vini. Si ce tour revini, il rentre dans la clé là. Il rentre dans CPU. Est-ce qu'il m'a expliqué ou ça m'a aussi mis dans la grande pour expliquer? Correct là, si tu n'as pas compris, je vais prendre dans la grande pour expliquer. Hein. Mais je ne peux pas régler la même question là. Et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas revenir là-dedans dans une prochaine classe. Mais je vous ai bougé devant un peu. Ok. State the condition that is necessary for a process to move from the ready to the running state. Right. Dans quelle condition un process, depuis le ready state, il parle de running state. Allez, dis-moi. Ouais, il faut des processeurs libres et time slice est fini pour le processeur, là, il y a ce tout et surtout il faut des tout une arrivée. Il faut des current process, sa process qui est actuellement peut run, is no longer running. Il y a sa current process qui est dans la CPU là, il finit ce time slice, il expire, il y a un coupier, il se outil, time slice il expire. Veut dire que le processeur available. Et ça aussi dépend, sa process qui peut envie rentrer là. Est-ce qu'il arrive dans l'arché là, il n'arrive pas devant? Et est-ce qu'il est of highest priority? S'il est of highest priority, là, il vient devant dans l'arché là. S'il arrive ce tour, là, là il peut rentrer. C'est parti ce tour. Et il n'est pas priorité. Il ne peut attendre pas d'ailleurs. Rappelez une affaire là bien, ça me plaît important pour te comprendre. Fais pour moi dire que tu peux attendre tout dans l'arché. Pour rendre côte rectère. Et un seul coup, jusqu'à ce que tout va arriver pour rendre côte rectère,
un professeur vini. Ah, oui. Ouais, un professeur vini devant toi, il dit, hé, attends, je peux bien causer avec toi. Tu me laquer, tu réponds, dire. Parce que si ça professeur là, il a une priorité, l'autre, il dit rentrer. Ça aussi qui est important. Parfois, il interrompt au cas. Il interrompt au cas. Il y a un problème emergency, un call, il est allé parler. Il l'a déjà fait par Pelli. Tu peux comprendre? Mais je veux analyser ça bien. Je veux guider ça bien. Je veux comprendre chaque mot là-dedans. Je veux mettre ça dans notre esprit qui fait à qui raison. Allez, nous continuons. Mais c'est moi si je ne pas trop comprendre pour cette classe, mon caractère pour en lire, expliquer, ben, l'autre exemple. Allez, le state the condition that is necessary for a process to move from the block state to the ready state. Allez. Depuis le block state, comment il peut move the ready state? Rappelez le diagramme. Depuis le block state, comment il peut move the ready state? Un diagramme. Voilà. Un diagramme a été. Block state, ouais. Il est dans block state, comment il peut bouger pour aller dans ready state? Quand? If the process cannot continue become waiting for IO device and has become available, ça se réponse. Si process là, il n'est plus besoin IO device et il become available, il est libre. Et l'era, then, il est bousé. Si on a bousé, le level 6 joule, bousé, il y a ça. Bon, pas de secret, le level 6 joule ici. Mais il n'est plus besoin IO device. IO device, il finit fulfill. Il finit fulfill ce man. Ayo, il n'est plus ça. Il y a une question pour print, il finit print. Mais maintenant, Astel qui a bougé là-bas. Ok, attends, mais t'as une écoute. Sure, mais est-ce qu'il est ready to less? Il y a un. C'est un. Process qui apparaît dans la vie qu'il a en même temps. Ready to. Il va aller du coup. Ready to. Il n'est pas prenant le temps, lui. Mais lui. Il est comme un élève qui est en déo. Contracté dans la quai de 26, il y a attendre. Mais c'est moi, si jamais il est full là-bas, il pourra l'attendre dans une affaire appelée virtual memory. Ok, il pourra aller dans virtual memory, il pourra attendre. Virtual memory, c'est une partie de hard disk qui configure comme de RAM. Si là-bas, il y a un flow. Faites-moi dire contracté, il y a 5, 6 par 6. Si 5 enfants, il finit venir par 6. Et toi, tu pourras attendre un petit peu en dehors, elle le place. Les tu gagnes de place, tu pourras aller là-bas, il pourra aller dans virtual. C'est moi ici, il n'y a pas trop de cause là. Ok, voilà. Question c'est, dans quelles conditions un process pour move depuis le block state, il peut aller dans le ready state. The only the required resource has become available. The event is completed. Je dire, comme si, faites-moi dire que tu avais un affaire pour imprimer, finir imprimer, il est correct. Aster Word n'est plus bien imprimé, il est tout normal. Il est réel dans le ready queue, il attend ce tour. Voilà, ça réponse. Maintenant, give reason, give free reason why process scheduling is needed. Les enfants, d'après toi, faire comment dire, mon petit homme, ça, besoin de recteur qui fait nous bizarre mettre un load. Bizarre un policier dans l'école. Réjean? Ouais, guéri. Si madame recteur a l'île, il peut la discipline de l'école. Va dire, il peut un l'autre, qui est l'élève pour venir avant, comment vous mettre la clé pour attendre devant ce bureau. Mais, va dire, par exemple, n'importe qui vient, Ricard, tu entends? On va rendre une goutte, ouais, qui n'a pas, ouais, l'autre, n'importe qui vient, un bazar. Mais, il peut un l'autre, peut un discipline. Par contre, ça n'a pas rendre avant, ça n'a pas rendre après. Mais, si un Ricard, il y a un l'autre. L'autre là qui veut dire, une logique. Logique là qui veut dire, un algorithme, un scheduling policy. Si les 7 bandes de scheduling policy, c'est un recteur, il y a un principe, il y a la loi, et je dois suivre la loi là. L'air là pour qu'il y ait un progrès, pour une discipline, pour une loi. Et dans nos pays même là, si le Premier ministre part mettre la loi, comment faire confinement, mais tu voulais commettre des autres, mais tu pourras être barbare. Le chemin, tu pourras venir demander un cas, mais tu pourras louper avec tout cas des histoires. Mais l'air la police sévère, il y a l'autre, qui s'en a pour sortir dans ce zoo, dans ce l'air. Il y a discipline, il y a un algorithme, il y a une politique. Il y a là qui est un pays progressé, il y a là qui est un système progressé. Il y a si je veux un algorithme, c'est une politique, une méthode, comment un processus de travail est bien défini. Si nous suivons, il y a là pour bien. Si nous ne pas suivre, il y a une chaotique situation. Mais il y a une raison qui fait besoin de si je veux une politique. Si je veux une politique, il y a là pour la multiprogramming. Qui fait de multiprogramming pour donner tout le sens. Chacun pour la fairness, pour distribuer le processus là, fairly.
de tout bouger les temps besoin de vecteur parce qu'il a fait un S et il est pas là maximal ressources. Ressources là pour servir efficiently et le travail pour faire plus bien de la discipline. Voilà. Voilà multi-programming avec multitasking. Qui veut dire multi-programming, multitasking pour capable de faire plusieurs travails à la fois parce qu'il est capable de nous tous les temps. Il est capable de chercher sa CPU time là. Et all processors, il est capable de reasonable amount of time. Et allows higher priority job to exécuter. Il y a certains qui ont une higher priority. Bon, Red Bull, il y a une priorité dans l'école. Un class captain, il y a une priorité. Un class captain peut venir dire une affaire. Un directeur vient écouter. Tout le moment, un Red Bull vient d'affaire, bien écouter. Normalement, mais si pas, c'est là. Allez, faites moi l'école, paye un Red Bull, paye un préfect, paye un class captain. Est-ce qu'il, d'après eux, l'école là, il y a une discipline plus bon? On pas croire, moi. Ouais, il faut dire que Head Boy et je tout baisse avec ma Head Girl dans l'école et Head Girl là, il est strict, il y a la discipline, mais il y a la flexibilité, oui, mais c'est moi qui peux maintenir la discipline. Rappelle bien les enfants, discipline qui amène progrès. Dans la case, un parent bien discipliné. Un parent, si dans la case, un parent pas discipliné, ses enfants aussi pas disciplinés. Mais dans l'école, un recteur, si pas discipliné, l'école là pas pour discipliner. Si dans un pays, un premier ministre pas discipliné, mais le pays là pour d'obéissance. Get Angleterre, get le même pays. Mais je n'ai pas besoin de discipline. Mais pas besoin de discipline. Quand on trouve une solution, ce n'est pas pour vous empirer. Mais discipline est pour autant. Et dans un pays, c'est une bonne discipline. C'est même qui nous cause qui fait besoin de discipline. Besoin de discipline qui est capable de faire plusieurs travaux à la fois, multiprogramming. Et pour une fairness, c'est plus temps pour pouvoir retarder en tout bon process. Et ça peut être un reasonable waiting time. Complete time. Tu te rappelles, tu as dit waiting time, mais tu peux. Hein, tu peux guetter qui policy. Tu veux qui fait, tu peux étudier ça, waiting time là, enfant. Tu es là, tu peux guetter first come, first serve, round robin. Qui fait, tu peux étudier waiting time pour connaître dans laquelle algorithme, dans laquelle policy, ben là, attendre plus de le temps à l'étoile de winners. Si ben là, mets une méthode que tu ne veux pas attendre beaucoup le temps, mais tu vas plus content. Pour un tableau là-haut, tu prends une ticket, il dit t'as tel ticket number rentré, tel ticket number rentré. Mais tu veux plus discipliner et travailler plus efficacement, efficiently. Voilà. C'est-à-dire augmente productivité, maximale ressources et response times améliorée. Voilà un petit peu tout le sali là. Ouais. Mauvais speaker. Non, vous pouvez expliquer une affaire. Vous pouvez expliquer une affaire. Allez, je ne connais pas, je prends un de l'exemple pour expliquer. Allez, reste, je vous explique toi. Je vais essayer de donner une idée. Faire comme je dis, tu as acheté un loto bien cher. Correct? Je vais te donner l'exemple. Tu as acheté un loto bien cher, la carte que toi, et tu as quatre frères que toi. Et si tu mets une police, si tu es tout seul, servi de loto. À part toi, personne n'a pas servi de loto. Ok? Mais existe tout seul pour servir. L'autre là, la plupart du temps, il peut dormir dans le garage. Existe là, toi, tu veux sortir, tu veux servir. Mais si tu mets un policier, on te demande frère, tu fais un arrangement. Toi, tu peux sortir, tu es là, tu prends le tour. Après, toi, tu retournes, toi, tu peux prendre. Après, toi, tu retournes, toi, tu peux prendre. Comment tu fais un timetable classe? Tu as tout mon frère pour servir l'autre là, et je tout pour partager. Et l'autre là, pour servir maximum, je tout pour hériter. Le de là pas vous dormir dans le coin. Je veux dire, tu as maximal ressources là. Ressources là peuvent servir. Tu peux comprendre ce que je veux dire? Allez, je vais donner l'autre exemple. L'école continue dans l'école grand matin. 8h à 2h30. Après ça, l'école fermée. Ce bâtiment là peut dormir. Mais si un gouvernement se lève après l'heure à l'école, à 2h30, nous sortons. Un autre bâtiment se lève, rentrer. Si il n'y a pas l'état de la journée maintenant, le travail, c'est pas connu. Le bon grand du monde vient en prendre le bâtiment. Le bâtiment là, tu vous servis encore. Le bâtiment là, tu vous faire efficient use. Parce que là, on peut dormir à soi, personne ne peut servir. Mais tu peux servir. Mais CPU, de plastique, reste dormir. Si nous organisons, nous travaillons bien, nous faisons CPU, le travail maximum. Il ne faut plus rentable. Ok? Allez, nous continuons. Pourquoi nous pour finir les sons là aussi, là? Nous vous guettons des ça, nous vous finissons là. Parce que nous finissons 5h, moi aussi je suis fatigué. Mais nous commençons un petit peu tard, à cause de ça, je vais pousser un petit peu encore. Bon, avec la mai 2010, je vais continuer une question. Dans 3 states, explain how Cedula manage the process.
Bon, là, tu as parlé de tes instituts, là, comment les ben, job move to the ready queue. Vous pouvez prendre dans la prochaine classe, dans le low level institut là qui se roule, medium level institut là qui se roule, high level institut là qui se roule. Une jolie question là, hein, cette question là, jolie. Ok, et comment vous pouvez me retrouver, je me rappelle discuter, la prochaine classe, vous pouvez discuter. Types of scheduling algorithm, étiqueté qui est dans l'examen pour cette question. Types of scheduling algorithm, first come, first serve, round robin, shortest job first, shortest remaining, remaining time. Et un autre qui m'a pas causé, la multi-level feedback queue, ça m'a pas causé. Dans un nouveau syllabus, on va trouver dans un ancien tien. Bon, explain the purpose, qui fait un scheduling policy, qui fait besoin d'un principe de la vie, qui fait besoin d'un principe de la loi. Mais normal pour mal football, fairness, multiprogramming, maximize, ouais, discipline, ok. Et describe free scheduling policy, first come, first serve, tout ce qu'on a fait là, nous t'a arrêté. Ok, spooling. Bon, ma prochaine classe, moi, vous, prochaine classe, moi, vous cause, moi, quand j'ai une révision là-dedans, il est là, prochaine classe, moi, vous cause, plus slow, paging, segmentation, memory management. Tout ce qu'on roule le notice là pour vous montrer, qui vont la poser dans la prochaine classe pour que gagne l'idée qui se cas préparé. Il y a toujours une question là, vous discutez, mon pas encore fini. Ouais, une question. Ouais, memory management, prochaine classe, moi, supposé discuter. Why memory management? Ok, qui veut dire paging? Qui veut dire page frame? Qui veut dire page management table? Ok, qui veut dire page management table, paging? Voilà, paging. Qui veut dire segmentation? Ok, describe segmentation. Je finis faire parallèle processing. Je finis faire, je fais une vidéo tout là-dedans. Get dans YouTube, because SISD, MIMD, tu as fini causer. Il y a une vidéo dans YouTube. Ouais, ouais. Get paging, segmentation, and Zoli notes. Prochaine classe, moi, vous cause là, Zoli notes là. Mais prochaine classe, plus vite, moi, vous pensez lundi, mardi, moi, comment faire prochaine classe là. Pas dimanche, c'est moi. Lundi, mardi, comment faire une prochaine classe. Mais moi, pas pour un droit faire classe le matin là, à l'école, parce que le ministère est capable de tirer à moi. Moi, pour faire classe, capable, moi, pour guetter. Moi, pensez à l'air 3e, 4e, d'affaires comme ça, moi, pour faire classe. Donc, faites que ça, tout simplement, nous, là, on a pour discuter. Après, on a question d'examen, là. Le paging segmentation. Correct. Et maintenant, question d'examen, là, on peut mettre la vidéo, là, pour vous donner une idée. Prochaine classe, qui va vous guetter, c'est vous guetter vidéo, là, vous trouvez ça, une question, là. Et je vais préparer, je vais garder une idée. Et je vais scroll. Je vais mettre pause, je vais guetter. Et la prochaine classe, moi, vous voulez ça, car lundi, mardi, moi, vous voulez une prochaine classe. Correct? Et moi, je finis de tout. Exactement, papier 4 ici. Ouais, papier 4, moi, j'ai un autre chapitre pour expliquer ça. Si je te l'ai dans la semaine, moi, vous mettez. Et. C'est. Transition. Decision table. Vous avez envie de me faire ça? Decision table. Allez. Decision table, moi, vous causez dans la prochaine classe. Vous voulez dire, moi, vous avez des sessions en autre capable dans la semaine. Decision table, moi là pour causer, vous montrez un nuts qui m'a fini préparé. Moi là pour causer là. Et decision table, voilà. Decision table, moi fini préparer une zone nuts sur le papier d'examen tout là-dedans. Voilà, decision table, moi là pour causer là. La question d'examen. Dans le VB, qui est la question d'examen là, moi vous causez là. Vous trouvez la decision table. Et je pense que sa prochaine classe, je prends papier 4. Et je vous dis encouragement pour que je fasse la classe avec vous. C'est une question d'examen. Voilà, decision table. Oui. Ouais. Dites-vous correct si je fais decision table? Oui. Allez, oui. Allez. Dis-moi, lundi, je vais vous dire tout d'accord. Lundi, nous mettons l'air. Qui l'air d'après vous? Bon, moi, je pense que pour en 3h à 6h, je vais vous finir de faire une classe. Qui l'air vous commencer, qui l'air vous terminer? Moi, pas trop long, si c'est bon. Entre... Lundi, la leçon, oui. Allez, lundi, la leçon. Qui vient de commencer, nous? Qui vient de finir? 3h commencé, 5h30 fini. Allez, 5h30, je finis. Allez, si moi commencer, 5h30, vous trop fatigué, je Allez, si lundi, moi, va faire. Allez, si lundi, moi, va faire. Allez, allez, si lundi, moi, va faire. Est-ce qu'il m'a dit, vous bon, vous êtes? Oui, mardi, correct. Allez, mardi, je tout correct? Oui. Allez, mardi, qui vient de commencer? Allez, demain, je te l'ai. Pour moi seulement en 3e à 6e au lit. Allez, demain, laisse-moi 3e à 6e au cadre de nuit. Si on finit, plaque mobile pour faire.
Et laisse-moi t'en ça recording là. Attends, moi t'en recording là. Réfléchis tout ce qu'on en d'autres même. Moi t'en recording là. Thank you.